Bonjour à tous et bienvenue dans le live de la journée. J'ai un énorme plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Joël Bernard de Mon Coach Golf. Salut Joël. Salut Lewis. Ça va, tu vas bien? Bah parfait, quand je suis avec toi, tout va. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on... Ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés en vrai. Ça fait plusieurs années maintenant que je te suis et j'adore tout le travail que tu fais. Depuis la création de Mon Coach Golf, c'est là où vraiment j'ai appris à te découvrir en vidéo sur le web et puis mutuellement on s'est envoyé des messages depuis plusieurs années en appréciant, en respectant le travail dans la LOT. Mais on s'est rencontrés au Mondial du Golf, il me semble que c'était l'année dernière. Et on a passé 2 heures ensemble qui étaient, voilà, c'était juste, on a l'impression que c'est passé en 5 minutes. À chaque fois que je passe du temps avec toi, j'ai l'impression que le temps passe super vite. Et ce confinement, du coup, qui dure maintenant, on est dans la 6e semaine de confinement, il me paraissait indispensable de faire un live où on parlait du golf en ligne, spécifiquement des cours de golf en ligne. Le sujet, la thématique d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut progresser grâce aux cours de golf en ligne? Et pour moi, quand je préparais ce sujet, c'était inévitable qu'il fallait faire appel, pour moi, à la personne la plus influente quand on parle du coaching en ligne aujourd'hui, Joël Bernard. C'est vraiment le nom qui ressort le plus quand on parle du nombre de personnes que tu as pu aider depuis le nombre d'années maintenant que tu fais ça. Et donc, on va parler un tout petit peu de ton parcours parce que voilà, c'est vraiment, au-delà d'être un très, très bon coach de golf, je te considère vraiment comme une personne inspirante avec un parcours innovant. Tu vois, tu étais vraiment sur le devant de la scène quand le coaching en ligne a vraiment commencé à démarrer, à boomer et tu as été hyper innovant dans ta façon de fonctionner et faire les choses. Tu as fait des choses qu'en France, personne n'avait encore fait. Donc vraiment, je te félicite déjà pour ça. Et c'est ça qui m'a inspiré à aller te rencontrer au Mondial du Golf. Et depuis, on s'appelle souvent, on s'appelle régulièrement, tu m'aides. Et donc ça, c'est super génial. Et en même temps, je voudrais juste en profiter pour passer un petit coucou à toutes les personnes qui sont connectées. Il y a plus de presque 200 personnes qui sont connectées en ligne, Joël, qui suivent ce live. Donc la première question que je voudrais te poser, Joël, peut-être pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qui sont connectées en ligne, c'est à quel moment est-ce que tu as décidé de créer moncoachdegolf.com? Ça s'est passé, si tu veux, autour des années 2011-2012. C'est un élève qui est venu me voir, pour être complètement transparent, qui m'a dit « Joël, tu devrais donner des cours en ligne ». Et moi, ma première réaction, tu vois, de pro sur le terrain, c'est de lui dire « Mais non, tu peux pas apprendre le golf en vidéo ». Je lui dis « Entre ce que tu dis, ce que la personne comprend et ce qu'elle réalise en réalité, il y a un gap qui est tellement important que ça nécessite obligatoirement un réajustement ». Et là, il m'a ouvert les yeux en me disant « Mais Joël, est-ce que tu as des livres de golf chez toi ?» Je dis « Ouais, plein. Est-ce que tu as des DVD ?»« Bah oui, plein. » Et il me dit « Est-ce que tes élèves ont des livres et des DVD de golf ?»« Oui, plein. » Et après, ça m'a fait réfléchir. C'est que je pense que toi aussi, est-ce que ça te dit quelque chose, les livres de Jack Nicklaus, c'est le jaune et le rouge ?» Ouais, bien sûr. Ouais. Le premier bouquin que mon père m'a donné quand j'étais gamin, c'était le bouquin celui qui a gagné le majeur, le Sud-Africain. Le plus vieux, Gary Player.
Gary Player, là, là j'étais débile. Ouais, c'était les dessins animés, donc oui, les bouquins absolument. Ouais, Gary Et Player, Jack la chance Nicklaus. Ouais. d'avoir un papa qui s'appelait quand même Marc Wallace, quoi. Moi, mes parents Ouais. étaient agriculteurs dans le Gers, donc tu vois, mon seul truc qui m'a fait évoluer dans mon jeu, c'était les bandes dessinées de Jack Nicklaus, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu dans, il y, y a eu le fameux livre Le Swing de David Ledbetter, tu vois, quand t'es passionné de technique, le gars, alors, avec les avantages et les inconvénients, c'était ultra, si tu veux, analytique, mais putain, t'avais une vision claire de ce qu'il fallait faire en montant, en descendant, etc., etc. Et en fait, je me suis rappelé que moi-même, j'ai énormément appris, que ce soit au travers des livres, au travers de tous les DVD, tout ce qu'a fait Ledbetter, je l'ai acheté. En pagaille comme toi, je suppose. Donc, je me suis dit, putain, il a peut-être raison. Au final, c'est pas un cours individuel que tu vas donner au travers de cours en ligne, ça va être de l'information et comment surtout appliquer l'information, parce que c'est ça qu'on a besoin de l'information, on la trouve partout. C'est comment l'appliquer et comment arriver à l'intégrer. C'est ça qui est passionnant. Comment on passe de la théorie à l'action? Et ouais, parce que l'information, en gros, ce que je dis tout le temps, c'est que une compétence, c'est 15% d'information et 85% de pratique. Tu as beau avoir 90% comment dire, de connaissances, aussi bonnes soient-elles, si tu as 10% de pratique, tu ne seras jamais compétent. Donc voilà. Donc moi, mon challenge, ça a d'abord été le premier, avant de me lancer en ligne, c'était d'abord de casser si tu veux, cette barrière psychologique qui disait non, on ne peut pas apprendre en vidéo. Et je me suis rappelé que moi-même, j'ai appris en vidéo. Et ensuite, je suis allé voir sur le web, et qu'est-ce que j'ai vu? Des écoles de danse en ligne, des écoles de piano, des écoles de guitare, et là tu te dis, bah attends, si tu peux apprendre la danse en ligne, pourquoi tu pourrais pas apprendre le golf, tu vois? Et voilà, j'ai commencé à évoluer comme ça. Et ensuite, pour commencer à faire des vidéos en ligne, il a fallu que j'apprenne à faire des vidéos. Comment se cadrer, moi j'étais coach de golf, tu vois, toute mon attention, tout mon C'est focus. important de rappeler, Joël, qu'avant que tu as démarré mon coach de golf, juste en résumé, mais tu as été un grand coach dans un grand golf Un français. grand. Donc juste, voilà, Ah ouais. c'est. J'étais entraîneur du golf de Bondu pendant 16 ans, d'accord? Donc je coachais, il y avait 8 équipes en première division dans ce club. Enfin, quand je suis arrivé, toutes les équipes étaient en deuxième division. Et c'était déjà pour moi un honneur. J'avais 26 ans et je suis recruté par le golf de Bondu, si tu veux, qui est le plus gros golf, 36 trous, 1500 membres. C'est une institution, le truc, tu vois. Et moi, à 26 balais, je me retrouve là, avec comme expérience je sortais pas mal de jeunes, j'avais une fille qui était championne de France et j'entraînais Bruno Petit qui était le meilleur joueur de la région, qui était sur le Challenge Tour. Donc ça m'a valu d'être recruté par le plus gros club de France. Et à partir de là, les choses, il faut avouer, sont beaucoup plus faciles. Quand tu es dans un club sportif, sortir des jeunes, il y a quand même des structures qui sont fantastiques, il y a quand même des moyens. Et donc, il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César, c'est que c'est plus facile si tu veux, de sortir des jeunes de manière récurrente quand tu as une machine derrière toi qui te le permet. Soyons clairs. Corrige-moi si je me trompe, mais il y avait également Mathieu Dicontini-Lafond qui faisait partie du club à un moment, c'est ça? Ou je me Oui, trompe? c'est ça, Ouais, c'est Mathieu, il ça, est tu arrivé, il avait t'entraînes. 13 ans, il était au golf de Lille. Il arrivait à 13 ans, il était 13 d'index et il est parti en 2000 quand il était moins 4 d'index. Donc oui, il est resté, Donc, c'est ça. Il est toujours à ouais. Bondu, il représente toujours plus ou moins Bondu, quoi. Ouais, Ouais, Mathieu. donc joueur professionnel. Donc avant d'entamer cette démarche en Oui. ligne, tu avais déjà une très belle position de coach qui faisait partie, voilà, qui fait partie des voilà, qu'aujourd'hui, quand on est coach de golf, une des ambitions, on va dire, premières, c'est d'intégrer justement un grand club, d'avoir des bonnes équipes, d'être dans les meilleures divisions, d'avoir des très bons résultats. Et toi, tu étais à cette période-là de ta carrière, tu avais déjà des résultats incroyables avec tes équipes et tes joueurs. Et là, tu as cette démarche d'aller justement créer des formations de golf en ligne, en Oui, parallèle du poste que tu avais à Bondu. c'est Et suite ça. aux résultats que tu as pu découvrir, tu as décidé de te lancer à 100% là-dedans. Donc tu quittes un Voilà. poste qui est très important parce Plus que mon tu entraîneur crois, régional. J'étais entraîneur ouais, régional. Donc entraîneur je régional. quitte deux postes. Donc t'imagines, donc déjà, c'est la raison pour laquelle je fais passer ce message, c'est parce que c'est un risque assez important quand même pour un coach qui quitte une position importante parce qu'elles ne sont pas faciles à trouver, hein, ces positions dans des golfs comme ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts toutes les semaines. Ces opportunités-là, elles sont de plus en plus rares. Et donc aujourd'hui, voilà, tu t'es investi suite à la réussite que tu as connue dans les premières années dans le coaching en ligne. Et là, tu te dis, les gens en fait peuvent progresser grâce aux cours de golf en ligne. Et c'est là où tu te lances à 100% et tu connais cette ascension de réussite fulgurante grâce à ton investissement qui du coup se fait progressivement à plein temps. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment
Est-ce que tu as découvert, parce que tu vois, ce qui est vachement intéressant dans ton discours, Joël, je trouve, c'est qu'au tout début, quand l'idée te vient, ou en tout cas un élève à toi te parle un petit peu de tout ça, toi-même, tu te dis au tout début, comme beaucoup d'amateurs qui regardent cette vidéo aujourd'hui, je pense, tu te dis, ah, mais on peut, enfin, moi, je pense pas qu'on peut progresser au golf en ligne ou en vidéo, enfin, tu vois, ça me paraît improbable, parce que toi-même, en tant que coach, tu te dis, bah non, moi, j'ai toujours fait du présentiel, j'ai toujours fait du coaching en direct, donc non, Va moi, ça peut pas ajuster, il marcher. faut prendre contact avec la personne, il faut voilà tout ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, à quel moment est-ce que tu t'es dit, bah finalement, non, les golfeurs peuvent progresser en ligne? Il y a eu plusieurs étapes, si tu veux. Ça s'est pas fait comme ça. Je sais pas, c'est pas, tu vois, tout la révélation qui est arrivée de tu sais pas où, qui dit c'est comme ça. Non, c'est en fait ça a été hyper progressif, si tu veux. La première étape, c'est cette personne qui s'appelle David qui m'a ouvert les yeux sur cette possibilité. Et en fait, je suis passé d'un non à pourquoi pas. Je suis pas passé d'un non à ben, évidemment, c'est sûr. C'est un non à un pourquoi pas. Ce pourquoi pas m'a amené à commencer à faire des vidéos et à monter une chaîne YouTube. Tout simplement, ok? Quelle année? Quelle année? 2012, fin 2012, tu vois, fin 2012 à peu près. Et là, dans cette démarche de chaîne YouTube, je propose, on se retrouve 2012 pour ceux qui se rappellent, c'était il y a 8 ans, on a eu une vague de neige incroyable, on était sous la neige pendant des mois et des mois. Et je me dis, mais tiens, maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, je pourrais proposer un programme gratuit pour les golfeurs pour qu'ils puissent s'entraîner à la maison. Ce programme est toujours actuellement, je le donne toujours gratuitement sur le site. Et si tu veux, c'est des exercices tout cons à faire sur le swing, le putting et la préparation physique. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé comment dire, à proposer cette série de vidéos contre des adresses email. Pourquoi? Parce que quand tu vas sur une chaîne YouTube, tu vas liker, tu vas avoir des abonnés, etc. Sauf que tu vas voir une vidéo, peut-être qu'elle te plaît, mais tu sais même plus qui tu as regardé et où est-ce que c'était, etc. Quand tu donnes ton adresse email, la personne peut te recontacter. Moi, en l'occurrence, j'ai reproposé d'autres nouvelles vidéos, etc. Donc j'ai commencé, si tu veux, à avoir des gens qui me suivaient et je me suis retrouvé au bout d'un an avec 2000 golfeurs. 2500, même 2500 golfeurs qui étaient sur ma liste email et à qui je partageais des conseils en vidéo. Et ce qui est important, Joël, c'est de préciser la différence, parce qu'il y a une question, et je sais que je précise que Joël ne peut pas lire les questions, donc je vais les lire pour lui, mais voilà, il y a une personne qui Je a sais pas lire. dit qui. Moi non plus, en français, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, il y a une personne qui indique, mais YouTube aujourd'hui, voilà, il y a déjà pas mal, il y a énormément de pros qui donnent des trucs sur YouTube, des trucs gratuits, etc. Bien Mais en sûr. fait, l'idée, c'est de différencier, de mettre la différence en fait entre YouTube, qu'on considère tous les deux un peu comme la plateforme de la théorie, c'est l'endroit où on peut apprendre plein de choses. Mais là, quand tu indiques que voilà, j'ai créé un programme gratuitement pour les personnes contre une adresse email, c'était en fait c'est une mise en action de la théorie. C'est comment finalement est-ce qu'on Ouais, peut c'est ça. mettre en action ce que tu as appris? Parce que tu sais, les amateurs aujourd'hui qui connaissent la théorie du swing, il y en a des milliers. Hein. Alors ça, les mecs qui connaissent le swing de golf, aujourd'hui, il y a plus de profs de golf sur le practice que personne avec les amateurs. Voilà, il y a tout le monde peut donner des conseils, etc. Mais comment le mettre en pratique? Et c'est là où le rôle du coach est déterminant. Et c'est là la Yeah. différence entre ce que tu as proposé sur YouTube et le programme via ton site internet. Et c'est là où tu vois où je voudrais faire le lien parce qu'il y a des personnes qui parlaient de YouTube. Donc tu crées cette chaîne YouTube, tu crées ton programme en ligne que tu offres, les personnes derrière rentrent en con voilà, maintenant À la base, tu es en contact direct avec la personne. à la base, je n'étais même pas dans une démarche, pour être complètement transparent, je n'étais même pas dans une démarche commerciale au départ. Je me suis dit, bah, tiens, on va parler de moi, ça va me faire des clients en plus, ça va ramener des élèves, etc. Bon, j'avais déjà des élèves qui venaient de. Mais voilà, tu vois, j'étais plus dans cette optique-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que. En partageant des vidéos comme ça, je commençais à recevoir des messages en disant, Joël, c'est génial, depuis que j'applique tes conseils, je progresse, j'ai baissé mon index, machin, truc. Je dis, mais attends. Et là, c'est là où ça a commencé. Tu vois, où tu dis la prise de conscience, quand est-ce que ça a été? Ça n'a pas été au départ. C'est une fois que j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne, que t'as des dizaines, des centaines de golfeurs au bout d'un moment qui t'envoient des trucs en disant, putain, mais Joël, depuis que je fais ton truc là, ta technique Vilander, ton machin, ton truc, il n'y a pas un jour où je vais dans les golfs où les gens me disent, ah ouais, le green prière, ah ouais, la technique Vilander, ah ouais, le machin, le truc, parce que je m'amuse à nommer, tu vois, la technique arc, machin. Et les mecs, tu vois, c'est Ça fait comme. partie de ta force aussi, Joël, aujourd'hui. Hein. C'est justement de pouvoir mettre des mots qui sont différents. Moi, je l'ai vécu quand j'étais gamin avec mon père.
que tu as cité, Marc Wallace, qui était innovant dans ce sens-là, où il créait des articles pédagogiques dans les magazines, parce qu'à l'époque, il n'avait pas accès aux plateformes qu'on a aujourd'hui. Je pense que s'il avait eu accès, il serait en train de faire la même chose que Ah, toi et c'est moi, clair. c'est certain. Mais il C'est a clair. été innovant aussi dans sa façon de communiquer un message pédagogique, de la même façon que toi aujourd'hui, tu trouves des termes qui vont rester dans l'esprit des gens. C'est ça qui est important finalement, c'est de rester dans l'esprit des gens. C'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a énormément, faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, mais putain, mais va droit au but, va à l'essentiel, donne-nous le conseil. Et ils en ont marre de m'entendre. En gros, je parle beaucoup, d'accord? Donc il y a des gens que ça saoule et je le comprends, mais parfaitement. Sauf qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est que pour retenir les choses, il faut toucher les émotions, d'accord? Si on se rappelle tous en 2001, où est-ce qu'on était quand on a appris que l'avion a tapé dans la tour, et puis après, on sait tous où on était. Pourquoi? Parce qu'il y avait une émotion forte qui a été associée à comment dire, qui a été associée à un fait. Donc, Comme quand sur le une parcours, quand on nomme fait un... une Comme... Alors ça bug un tout petit peu, Joël va revenir. Ouais, ça a chose. bugué un Pardon, tout petit peu là, désolé. Ouais, ça a bugué 5 secondes, mais t'inquiète pas, c'est... Ouais, je disais en fait comme un coup de golf dont on se souvient sur le parcours, où ça a été hyper intense, un magnifique coup de golf, presque un trou en 1. Moi, je me rappelle de mon trou en 1 au golf national, trou numéro 16, comme si c'était hier, mais comme aussi un mauvais coup aussi. Donc dès qu'on attache une émotion à quelque chose, c'est Yes. intégré et le souvenir reste. Ok. Et donc, pour susciter des émotions, il faut raconter des histoires. On adore les histoires. Tu parlais des BD. Regarde, moi, je parlais des BD de comment ça Jack s'appelle? De Jack Nicklaus. Nicklaus. Mais les bouquins, les bons films, etc., il y a une histoire. Et nous, enfin, les humains, on adore apprendre au travers des histoires. Et donc, te dire, bon, alors, pour taper des bons drives, les mecs, il faut faire ça, ça et ça. Allez-y. Ok, tu as le conseil en 30 secondes, mais ça n'a aucun poids. S'il n'y a pas une histoire derrière, si tu dis que, voilà, je vais vous donner un conseil que j'ai appliqué dans telle situation ou que telle personne applique, etc., etc., ça éveille, ça suscite l'intérêt et ça donne encore plus quoi? Envie de l'essayer. Et un bon coach, c'est pas simplement quelqu'un qui te donne un conseil parfait, c'est quelqu'un qui donne envie de passer à l'action pour mettre en pratique ce conseil. Parce que si tu le mets en pratique, c'est là où tu as une chance de voir un résultat. C'est pas simplement l'intérêt intellectuel qui compte, c'est la compétence que tu vas avoir derrière. Voilà. Ouais, Ouais, c'est exactement ça. Je suis en train de lire en même temps les commentaires. Joël, il y a une avalanche de commentaires. Il y a plus de 250 personnes, de personnes qui sont connectées à travers ce live et beaucoup de personnes qui te suivent et qui ont déjà acheté une de tes des formations. Et c'est là où la question va aussi venir fréquemment. C'est parce que justement sur YouTube aujourd'hui, on a aussi, je parlais d'avalanche, il y a une avalanche de vidéos. Aujourd'hui, il y a des milliers de vidéos qui existent sur le web. Pour toi, quelle est la différence entre un des vidéos qu'on pourrait les regarder sur YouTube gratuitement et un programme qu'on pourrait les acheter en ligne, par exemple, d'un coach qui va vraiment avoir cette construction du programme ou de la formation comme toi. Quelle va être la Yes. différence entre les deux? La différence, elle est juste énorme. Et vu de l'extérieur, ta question est tout à fait, si tu veux, légitime et pertinente. C'est que tu te dis, mais ouais, mais pourquoi? Et c'est ce que je me suis dit au départ, parce que je n'avais pas perçu ça. Tu te dis, mais pourquoi tu veux aller vendre des vidéos de golf où t'en as, enfin, qui sont disponibles sur Facebook, sur YouTube, partout? Partout, tu as des vidéos de golf qui t'expliquent comment jouer. Ok. Tu vas au supermarché, tu vas au Auchan, tu vas à Carrefour, machin. D'accord? Tu vas au rayon, j'en sais rien, moi, fruits et légumes. Ok? T'as combien de fruits et légumes? T'en as plein, hein? Tu peux y aller, t'achètes de ça, de ça, de ça, de ça. Mais après, quand tu dois les consommer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les assembler. Il faut assembler ces choses-là. Donc ça, c'est là où on arrive en cuisine, entre la différence entre les ingrédients et les La recettes. recette. D'accord? Il y a un truc que je dis tout le temps. Je dis, tu peux avoir des super ingrédients, d'accord? Tu peux avoir Bud Sharman qui t'explique comment casser les poignets, Ledbetter comment pivoter le corps, et Sean Foley qui va te dire comment faire ta reprise d'appui à la descente. Parfait. Tu as un saumon d'Écosse, frais de chez frais, tu as une sauce au Roquefort à te taper le cul par terre, et tu as une mousse au chocolat, mon gars, tu tuerais ta mère pour la manger. Tu as trois trucs. Fabuleux. Simplement, tu mets ça dans ton bol, tu mélanges, tu mets ton saumon, ton bordel, ton truc, tu te fous dans la téloche, et là, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu dis, c'est dégueulasse. Tu vois l'idée ou pas? Et là, tu dis, mais ouais, mais c'est ça. Et moi, j'appelle ça le syndrome de l'éponge. Tu arrives, tu prends ça, tu prends ça. C'est-à-dire que tu prends une roue de 4x4, tu la mets sur une Twingo, tu mets un moteur de tracteur et tu essaies de faire. Et tu mets du gazole et de l'essence. Allez, c'est parti, mon gars. Et forcément, t'as C'est quoi? tellement ça, moi je rigole parce que j'adore ta façon d'expliquer les choses, quoi. La roue de la Twingo avec le truc là. C'est énorme. C'est Et énorme. C'est c'est ça exactement qu'on essaie ça. de faire Exactement ça. quand on essaie. C'est pour ça que moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'essayer
de comprendre une méthode dans sa globalité, et j'en ai étudié plein, comme toi, comme beaucoup de pros qui sont passionnés, etc., pour essayer d'avoir des choses qui vont les unes avec les autres. Comment tu fais une tarte à la rhubarbe? Enfin non, c'est pas très bon ça. Une tarte aux fraises. Comment tu fais un couscous, et comment tu fais un machin? Quand tu as une recette déjà, tu sais que tu vas avoir un résultat, ok, plus ou moins bon suivant ton talent, mais tu ce vas. Ce que avoir... je suis en train de faire en ce moment, à travers ce confinement, je regarde des recettes justement pour faire plaisir à ma femme. J'essaie de trouver des trucs, tu vois, des banana cakes, des cakes à la banane, tout. Et justement, tous les jours, je recherche une recette, mais voilà, j'avais déjà les ingrédients à la maison, mais si je connais pas la recette pour le faire, le banana cake, il peut ressembler à rien à la fin. Surtout, voilà, Et ton cake à la banane, là, je sais pas quoi. c'est... La première fois, tu dis, putain, il était pas mal, mais si je rajoute ça, ça sera mieux. Bim, bim. Mais là, au moins, tu as une trame sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Et là où tu vas pouvoir composer et faire ton truc à ta sauce, à toi. Mais ça sera un cake à la banane, tu vois, ça sera pas un gloubi-boulga. Ouais, non, mais c'est... La raison pour laquelle j'adore discuter avec toi, Joël, c'est parce qu'il y a toujours des exemples sur lesquels les gens peuvent se raccrocher. Des trucs concrets où on se dit, où après, ça, ensuite, ça paraît logique. Je te pose cette question, évidemment, cette question, on me l'a posée tellement de fois, parce que comme toi, moi aussi, j'ai, voilà, les gens qui me regardent le savent, j'ai une académie en ligne aussi, et puis donc cette question, elle est fréquente. Léo, c'est quoi la différence entre YouTube et le fait qu'on va acheter quelque chose? Ben, en fait, c'est la structure déjà. Déjà, ça c'est la première chose, c'est qu'un coach, quand il va venir te voir, il a un plan d'action qui va te permettre d'aller du point A au point B. Et les amateurs qui beaucoup se prennent pour des enseignants quand ils vont sur YouTube et ils ont passé des heures sur YouTube et ils reviennent aux practices et ils racontent tout et son contraire, parce que pareil, sur YouTube, il y a tout et son contraire, parce qu'on a tous une façon différente de voir les choses. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'on a une vision différente de voir les choses. Et donc, du coup, quand l'amateur se retrouve perdu dans une bibliothèque infinie de vidéos, il va aux practices et finalement, c'est Par où je commence en fait? Par où je ne sais et pas quoi faire. C'est là, tu vois, où moi je parle beaucoup du 20-80, on en parle aussi souvent ensemble, tu connais par cœur, mais pour les gens, je vais l'expliquer. Le principe du 20-80, c'est que 20% des actions vont donner 80% du résultat. Pour donner des exemples, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, j'adore donner des exemples, mais dans votre portable, dans votre téléphone portable, 80% de vos coups de fil, vous appelez 20% des mêmes contacts. Et les 80 autres pourcents, vous les appelez que seulement 20%. Répète ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est très important. Répète l'exemple que tu viens de dire. Parce que quand tu me l'as dit pour la première fois, ça a fait tilt. Dans tes contacts, tu appelles 20% de tes contacts 80% du temps. Voilà, tu appelles 20% de tes contacts 80% du temps. Et quand on pousse un petit peu cette analyse un peu plus loin, on s'aperçoit que pour les fringues, c'est pareil. Regardez dans votre garde-robe, dans votre dressing, dans votre machin, on porte 20% de nos fringues 80% du temps. D'accord? Et donc ça, on peut le faire à l'infini. J'invente rien, c'est la loi de Pareto, ok? Vous la connaissez peut-être. Mais l'esprit, c'est que ça marche aussi au golf. C'est-à-dire qu'au golf, vous avez les techniques et vous avez les principes. Les principes, ce sont des choses qui sont incontournables. Encore un exemple, je sais, je suis lourd avec ça, mais... C'est parfait les exemples. Pour faire bouillir de l'eau, il faut que tu l'amènes à 100 degrés. D'accord? À 99, elle ne bout pas ta flotte. Donc, pour amener... Ça, c'est un principe. Tu veux faire bouillir de l'eau, c'est 100 degrés. Après, tu peux utiliser une bougie, tu peux utiliser un four à micro-ondes, tu peux utiliser une plaque à induction, tu peux, etc., etc. Ça, c'est des techniques pour respecter un principe. Okay? Et donc, le piège dans lequel on peut vite tomber, c'est essayer d'assembler des techniques au lieu de se focaliser sur les principes. Moi, c'est comme ça, et toi, c'est comme ça que tu construis tes formations, on en a déjà parlé. On se base sur les principes, ce qu'on doit appliquer pour construire et arriver à un résultat. Et donc, on va donner les 20% qui vont donner 80% du résultat. C'est ça l'objectif. Et c'est la grosse nuance entre... Parce que tu peux aller regarder comment taper des bons drives, tu vas trouver 890 vidéos là-dessus. D'accord? Avec des conseils qui vont se recouper, d'autres qui vont s'opposer, d'autres machins, des trucs. Mais par quoi tu commences, tu disais? Il y a un ordre de priorité. Quand tu te fais des pâtes, d'accord? Tu mets des pâtes, tu mets du parmesan et tu mets du sel, par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important dans le plat? Si tu mangeais que du sel, tu serais mal barré, tu vois? Donc, il faut, la base, c'est quand même les pâtes. Donc, quand tu sais que si tu as des pâtes, ben, c'est bon, tu as déjà les 20% qui vont faire 80% de ton repas, déjà, ça va mieux. Alors, durant le confinement, Joël, tu fais partie de ces coachs qui
qui ont décidé d'offrir quelque chose de valeur aux personnes à travers cette période qui est compliquée, qui est délicate pour tous les golfeurs, ces golfeurs qui sont frustrés, qui n'ont pas l'occasion d'aller sur le parcours. Cette initiative que le journal du golf a eue de nous appeler Coach PGA France, de faire des lives pour Yes. proposer en fait de la valeur C'est et du super d'ailleurs, contenu comment vous faites ces à toute l'audience. Et donc depuis maintenant 4-5 semaines, j'ai eu l'occasion de faire des lives avec des joueurs du circuit européen. On peut apprendre choses? plein de choses. Toi aussi, dans ta position, ce qui est top, c'est que tu as créé un programme de confinement, en quelque sorte, où tu permets en fait aujourd'hui à des golfeurs de progresser de chez eux à travers justement un programme coaching de 20 minutes par soir que tu fais à 19h. Et puis donc, ça marche top parce qu'aujourd'hui, concrètement, il faut le préciser. C'est pour ça que c'est important pour moi, quand je parlais de cette thématique du coaching en ligne, de vraiment faire appel à la personne qui aujourd'hui avait le plus de réussite. Et les chiffres le confirment. Aujourd'hui, tu as 850 personnes qui participent à ce programme de confinement chaque soir depuis que tu l'as créé il y a maintenant plus de 3 semaines. 850 personnes par soir, 7 jours sur 7, tu fais ça 20 minutes jusqu'à la fin de le confinement. C'est ce que en fait, tu avais proposé à tous tes élèves. En fait, tu leur dis, voilà, je crée ce programme de confinement. Mais au-delà de ce problème de confinement, tu m'avais aussi indiqué que tu as 25 000 personnes depuis la création de mon coach de golf, 25 000 personnes qui ont acheté à un moment donné une formation qui est disponible sur ton site. Donc pour les personnes qui pensent qu'on ne peut pas progresser en ligne ou qui ont toujours ce doute, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, aujourd'hui, quand tu as 25 000 personnes, c'est que bon, il y a quand même quelque chose qui doit marcher quelque part, tu vois. Enfin, c'est pas par Et hasard puis, qu'on a 25 000 personnes. moi, franchement, ce que je vais te dire, c'est surtout le fait une grande majorité de personnes reprennent un autre programme. Ça, c'est parce que acheter une fois un truc pour voir, et tu dis, ouais, bah, mais quand tu vois que les gens C'est achètent ça, c'est ça. et rachètent, tu dis, putain, je sers à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai pas simplement, comment dire, persuadé quelqu'un d'essayer mon truc. Mais s'il le rachète plusieurs fois, c'est pas qu'il se dit, tiens, je vais essayer parce que ça va peut-être marcher, c'est qu'il a déjà testé. Et au-delà de ça, tu sais, on me demande souvent, on me dit, mais Joe, ça te manque pas, l'entraînement des équipes, la formation des jeunes, etc., etc. Il y a une question d'ailleurs de Laurent Poncelet qui pose cette question-là. Est-ce qu'un jour ça te donnerait envie de retourner dans un club ou voilà ou de Donc c'était pas les mots pour mots, mais c'était un peu le Yes. sens de la En question, c'était fait, ça. Laurent, que j'apprécie énormément aussi comme toi, et qui est un pro qui est hyper motivé, qui fait du super taf. Bah, écoute, Laurent, honnêtement, c'est ce que j'allais dire juste avant que tu poses la question. Je suis vachement nourri de tous les messages que je reçois, comme tu disais dans Home Coaching Live. Je reçois tous les jours des messages en me disant, oh, c'est génial ce que tu m'as dit hier, j'ai eu un déclic, machin, machin. Et bien ça te nourrit tout autant qu'une relation, comment dire, avec un joueur. Faut comprendre une chose, c'est que tu peux aider un joueur, soit en profondeur. C'est-à-dire, tu prends un jeune, et ça, je l'ai fait pendant des années. Tu prends un jeune, tu le démarres de zéro, ou tu le prends, comme Mathieu de Cotigny, à 13 d'index, ok? Et tu les aides, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait, Lewis? T'es d'accord avec moi? Quand on dit on forme un joueur, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste qu'enlever des trucs. Pourquoi? Pour que son potentiel se dévoile, d'accord? Les résultats qu'on a eu avec nos joueurs, ceux qui ont eu les meilleurs résultats, c'est parce que c'était les plus impliqués. Souvent, on dit c'est les plus doués, mais c'est ceux qui sont à fond, et machin truc. Donc, au C'est final, nous, exactement ça, c'est les plus impliqués, c'est exactement ça. C'est que tu peux offrir, et c'est là où aussi on va aller dans le discours de, bon, bah, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais tu vois, du payant et du gratuit. Et puis nous, on a une vision commune qui est, parce qu'on investit énormément nous-mêmes pour se former et devenir des meilleurs coachs et des meilleurs communicants. Et quand tu achètes quelque chose, tu es toujours plus investi et tu vas plus suivre les étapes qu'un coach te propose. Alors que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu as, voilà, des pleins, tu vois, aujourd'hui, les gens peuvent recevoir plein de mails, machin et tout, gratuits, des vidéos sur YouTube. Mais concrètement, quand tu payes quelque chose, tu portes plus d'attention à quelque chose sur lequel tu as investi quelque chose. Donc, il y a ça aussi qui est c'est très gratuit. important à préciser. C'est, voilà, Si c'est. gratuit ne vaut rien. Si c'est gratuit, ça ne vaut rien. Pourquoi les gens rêvent sur les Ferrari et sur les Aston Martin et sur les yachts et sur les parce que c'est hyper cher et que c'est inaccessible. On est des êtres humains. On a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et quand on l'a, au bout d'un certain moment, on s'en fout. Vrai ou faux? On s'en fout. C'est sûr, c'est On veut sûr. ce qu'on n'a pas au final. Et c'est pour ça que la valeur, elle est très. La valeur, c'est ultra subjectif. On parle de la valeur sentimentale, mais c'est ça, la valeur, c'est subjectif. La valeur, c'est ce dont tu as besoin. C'est ce dont tu as besoin et ce dont tu rêves. Ça a de la valeur. Plus c'est difficile à avoir, plus ça a de valeur. Donc, c'est ultra subjectif. Ultra subjectif. Une fille qui a toujours été magnifique, qui a toujours été belle,
Quand les autres lui disent « Ah, t'as de la chance », etc. Elle, non, parce qu'elle se fait toujours emmerder par les mecs et elle se fait toujours draguer, elle en a ras-le-bol. Alors qu'il y a une autre fille qui dirait « Mais putain, mais elle est malade, elle, moi, j'aimerais bien qu'on me drague tout le temps, tu vois. » C'est hyper relatif, Tout quoi. est subjectif. Bon, en revenir au résultat, donc pour mon expérience personnelle aussi, c'est vrai que en fait, je me suis posé, ça c'était avant que j'ai eu l'opportunité de te rencontrer, quand j'ai sorti mon tout premier programme en ligne, j'avais les mêmes questions que tu te posais tout à l'heure. Je me suis retrouvé vachement dans ton discours en disant, mais est-ce que les joueurs, est-ce que je vais vraiment pouvoir les faire progresser à travers un programme de coaching vidéo où je les ai même pas rencontrés? Et on en discutait ce matin juste avant ce live, c'est qu'on se disait, bah voilà, le coaching en ligne, Compte. ça nous a permis à tous les deux de faire un pas en arrière et en quelque sorte de faire une sorte d'analyse de notre coaching actuel qu'on a eu l'occasion de faire en présentiel, en stage de golf, peu importe, et d'avoir des résultats parce que voilà, quand tu es en présentiel, tu te poses pas les mêmes questions que lorsque tu construis un programme où tu n'as jamais rencontré la personne. Et donc pour moi, quand j'ai construit mon tout premier programme, ça m'a permis de remettre en question pas mal de choses et de me permettre de comprendre vraiment les éléments qui étaient indispensables, très importants, et comment surtout est-ce que je pouvais permettre à la personne de perdre 5 points sur son index sans jamais la rencontrer. Et ce type de question-là, je ne me l'étais jamais posé avant de créer un programme en ligne dans mon coaching. Tu vois, et donc ce questionnement m'a permis aussi de devenir un meilleur coach, parce que du coup, ça te permet de remettre en question des choses et de dire bah, peut-être que finalement, ça, c'est pas très important, mais ça, par contre, ça, il faut le mettre plus en avant, ça, il faut que ça se devienne plus important, etc. Et pareil que toi, quand j'ai sorti mon programme et qu'il est sorti en ligne, je me suis dit, bon, bah écoute, on verra comment ça va se passer. Moi, j'ai confiance dans ma pédagogie, mais on verra comment ça va se passer. Et quand j'ai reçu les premiers témoignages de personnes qui m'ont dit, Lewis, j'ai perdu 5 points sur mon index, ça m'a fait la même. Tu parlais d'émotion tout à l'heure, ça m'a donné les mêmes frissons, les mêmes émotions que lorsque j'ai eu un élève en présentiel, en personne, où on a eu les mêmes résultats. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, c'est dingue quand même. Enfin, d'ailleurs, c'était même presque plus fort parce que je me suis dit, j'ai jamais rencontré cette personne. J'ai une personne que je n'ai jamais rencontrée qui m'envoie un message pour me dire, Lewis, grâce à ton Exactement. programme, j'ai perdu 5 points sur mon. Et au début, je me suis dit, non, mais attends, c'est complètement dingue cette histoire. Et c'est là où la confiance aussi en tant que coach se multiplie parce que du coup, tu dis, ah, bah, ça marche. Donc du coup, tu commences à multiplier un petit peu les Alors, marques. je voudrais quand même juste voilà, mettre un bémol. Toi, tu le sais, mais peut-être ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Ça marche pas dans 100% des cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune une Comme formation. le coaching en direct, hein, comme le Comme le coaching en coaching en direct. direct. Soyons clairs, ça ne marche pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité, on va dire, de s'auto-coacher et de se. On en parlait ce matin. Nous, notre rôle ultime en tant que coach, c'est de faire avancer la personne de façon à ce qu'elle devienne de plus en plus autonome. C'est-à-dire que, ah ben tiens, quand elle maîtrise quelque chose, elle a plus besoin de nous pour ce truc-là, elle sait le faire. Et donc, enfin, comment dire, ton job, c'est de faire en sorte qu'il devienne autonome sur le plus grand nombre de choses, le plus vite possible. En gros, c'est ça notre taf. Okay? Mais certaines personnes ne sont pas. Moi, j'appelle ça des personnes qui ne sont pas coachables. Il y a d'autres personnes qui sont coachables, mais en direct, parce qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui les pousse au cul. Moi, dans ma formation, je dis, bon, allez, les gars, vous me faites ça, ça et ça, c'est parti. Mais point. Le mec, il le fait ou il ne le fait pas. Quand tu es en leçon ou quand tu es machin, quand tu le vois la semaine d'après, c'est bon, tu as travaillé, tu t'es entraîné 3 fois depuis la dernière fois. Ah non, j'ai pas pu, j'ai machin, un truc. Tu déconnes. Je dis, ah, là, tu reprends un cours, mais si t'as pas acquis. Donc, attention, c'est pour un certain profil de personne. Mais quand tu as ce profil de personne, comme tu dis, il y a des gens qui perdent 5 points, 10 points, 15 points. Moi, j'ai un élève qui est d'Arras. J'ai halluciné quand tu me l'as envoyé. Tu vois, tu as halluciné aussi. Et ben moi, j'ai halluciné. Le mec, il me dit, Joël, ça fait 1 an et demi que je suis tes cours. Je t'ai jamais écrit avant. J'étais 28 quand j'ai commencé. Il a pris un gros programme à 1297 euros. C'était ma grosse formation, les secrets d'un swing régulier. Il me dit, Joël, j'ai pris ton programme, les secrets d'un swing régulier et devenez le roi du petit jeu. Je t'écris aujourd'hui pour te dire que j'ai atteint mon objectif, je suis 5 d'index. Et Wow. là, tu fais Il a putain 20. commencé à combien? En 1 an et demi, il a commencé à 28 d'index, Wow. il est arrivé 5. Autant te dire, attention, on remet les choses dans leur contexte, autant te dire que c'est quelqu'un qui a du temps, autant te dire que c'est quelqu'un enfin, que c'est pas, une fois de plus, tout le monde ne peut pas faire ça. Tous les gens qui rejoignent mes programmes ne passent pas de 28 à 5, soyons clairs. Mais c'est des choses qui sont possibles. Tu parles de
5 points, les 5 points, je suppose que tu as reçu plusieurs fois ces messages-là, 5 points, là c'est carrément assez régulier, assez fréquent, mais pas systématique. Voilà, je préfère mettre un bémol, et j'essaie moi à chaque fois quand je présente mes formations de dire attention les gars, il y a de grandes chances que vous fassiez beaucoup de progrès, mais ça dépend, moi je vous donne des 15%, et toi tu leur donnes des 15% dans tes programmes. C'est ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire pour l'intégrer rapidement. Après le taf, ben, nous on l'a fait en tant que coach pour arriver à notre niveau. Et d'ailleurs, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'avant d'être des coachs, on est des apprenants. C'est-à-dire que pour transmettre quelque chose, il faut déjà l'avoir appris, quoi. Donc, pas forcément maîtrisé d'ailleurs, puisque tu as des grands coachs de renommée mondiale qui n'ont jamais joué à très haut niveau, que ce soit en golf ou que ce soit dans d'autres disciplines, la natation, le machin, on en connaît plein. Mais au moins, en connaissance, en curiosité, en profondeur de la compréhension de quelque chose, je pense que pour être un grand coach, il faut être un grand apprenant avant tout, tu vois. Et après, ça suffit pas, il faut être aussi quelqu'un qui a la capacité de transmettre ce savoir, donc une capacité pédagogique. Et ensuite, un grand coach, c'est quelqu'un qui fait passer à l'action, qui donne l'énergie à la personne de passer à l'action. Et ça, il y a une étape, et tu le sais, Lewis, c'est il faut croire en soi. Et le coach, il est là pour faire croire. Et moi, tous les enfants que j'ai eus, j'ai beaucoup utilisé, tu parlais de Mathieu de Cotigny-Lafont, j'ai utilisé un élève que j'ai eu avant qui s'appelle Ben Régent, qui était l'un des élèves les plus doués que j'ai eus. Avant Ben Régent, j'utilisais Bruno Petit, quand j'entraînais Ben Régent. Tu vois, tu vis avec Bruno, tu vois, on a travaillé ça, machin. À chaque fois, je me servais, si tu veux, de l'expérience d'un autre pour dire, tu vois, toi, avec les jeunes, eh ben, à son âge, eh ben, Mathieu, il était moins bon que toi. OK? Et je suis sûr que tu vas faire. En fait, je lui faisais croire en lui. Et quand tu crois en tes capacités, tu passes à l'action. Si tu as un bus qui démarre, qui est juste à 5 mètres de toi, tu vas taper un sprint pour aller taper à la porte et essayer de dire, oh, mec, attendez. Si le bus, il est déjà à 200 mètres et lancé à 50 km/h, tu dis, bon, laisse tomber, je vais attendre le prochain. Parce que tu crois pas en ta capacité d'arriver au truc, tu vois. Donc, le coach, il doit aussi insuffler une certaine, tu vois, un petit peu pousser le mec, quoi. Il doit un petit peu lui faire croire en lui. Le coaching en ligne aussi, ça regroupe tous les éléments que tu viens de donner. Et puis, il y a une phrase que je retiendrai toujours de mon papa qui m'a vraiment, quand j'ai commencé à coacher, moi, j'avais 14 ans quand je commençais à aider mon papa, quand j'étais son assistant à l'époque où il faisait des stages. Donc, comme tu l'as dit, mon père qui est pro de golf, j'ai eu de la chance de l'assister quand j'étais très, très jeune. Et il m'a toujours impliqué cette notion de si tu sais pas l'expliquer simplement, c'est que tu connais pas assez bien ton sujet. Il m'a toujours, toujours impliqué cette idée et il m'a toujours dit si tu sais pas l'expliquer simplement, c'est que tu connais pas assez bien ton sujet. Et je trouve que du coup, quand tu coaches, hein, quand tu crées des programmes ou des formations en ligne pour aider une personne que tu ne connais pas, si tu as pas la capacité d'avoir un message clair et précis et simple, la personne qui est en face va pas pouvoir avoir le chemin qui est clair et qui est précis. Donc, il y a la confiance en soi que tu donnes, que tu instaures à travers le fait que la personne va croire en ses capacités grâce au message que toi, tu vas lui communiquer. Il y a le chemin clair que tu lui donnes à travers un message clair et précis. Tous ces éléments-là sont vraiment indispensables. Et ces choses-là, en tout cas pour ma part, m'ont fait progresser en tant que coach général, à la fois en direct et en ligne, grâce justement à ce commencement d'Académie en ligne. Donc, non seulement les joueurs progressent, mais nous, on a aussi progressé dans notre enseignement. Et je voudrais maintenant rebondir sur les joueurs en eux-mêmes, parce que tu l'as dit, et pour moi, c'est un élément qui est indispensable. Pour moi, aujourd'hui, la question qu'on me pose le plus fréquemment lorsqu'on me contacte pour des cours, que ce soit en direct ou en ligne, c'est « Lewis, comment est-ce que je peux faire pour devenir un joueur plus régulier ?» C'est la question, je pense, qu'on reçoit tous quand on est coach. On souhaiterait avoir plus de régularité dans son jeu. Et pour moi, au tout début, tu vois, ma définition aujourd'hui de la régularité au golf n'est pas la même que la définition que j'avais de la régularité il y a 10 ans. Et aujourd'hui, justement… Ça m'intéresse. Aujourd'hui, justement, ma philosophie a évolué dans le sens où pour moi, un joueur… Alors déjà, la régularité, c'est subjectif parce que la régularité, il faut savoir que pour moi, je pense que tous les joueurs amateurs l'ont déjà dans leur swing parce qu'ils ont un mouvement qui est répété. Donc, la régularité, c'est un mouvement qu'on puisse répéter à chaque reprise. Bon, bah, puisqu'un amateur a effectué des milliers de fois un mouvement, il a déjà un swing qui est
régulier, en quelque sorte. Le swing est déjà régulier. Donc, ce qu'ils veulent pas, c'est être plus régulier, c'est qu'ils veulent plus régulièrement bon. C'est ça qui, c'est ça, en fait, là. Tu vois, quand on filme les gens et qu'on fait avant, après, parfois, il n'y a pas de différence. Alors que le mec, il a l'impression. Je lui dis, t'imagines, tu cherches pas à changer quoi que ce soit. C'est vraiment assez régulier, quoi. Voilà. La différence est vraiment, des fois, toute petite. Donc, en fait, la réelle question que l'amateur devrait poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour devenir meilleur et surtout éliminer les très mauvais coups sur un parcours de golf et augmenter le taux de pourcentage ou le taux de réussite sur les bons coups. Et pour moi, ça passe déjà par la compréhension de l'autonomie, de comment est-ce qu'on peut faire pour devenir autonome sur un parcours de golf. Et c'est là où je pense que le coaching en ligne a révolutionné ma façon de voir les choses, parce que je me suis dit, il faut que je coache d'une façon à ce que l'élève devienne autonome. Et tu sais, quand tu donnes des cours en direct, tu vois, comme toi, tu l'as fait à Bondu, les élèves, tu les revois semaine après semaine, ils reviennent te voir, donc tu as le temps de les voir chaque semaine. Et même s'il y a un cours où ça ne s'est pas vraiment passé comme tu veux, tu te dis, c'est pas grave, je le verrai la semaine prochaine. Quand le mec, il t'appelle, il te dit, écoute, là, sur le trou numéro 16, j'ai fait un slice, il est parti hors limite, ça m'a gâché ma carte, t'inquiète pas, on se verra demain en cours. Donc, il y a toujours cette notion de, bon, de toute façon, je vais le revoir. Mais quand tu abordes le thème de, si je ne revoyais pas cette personne, comment est-ce que je peux faire pour le coacher pour qu'il devienne autonome? Et ça, c'est un coaching qui est complètement différent. C'est complètement différent parce que du coup, maintenant, tu enseignes la personne à devenir un joueur de golf et pas un joueur de swing. Et ça passe par la compréhension que quand on est sur le parcours, déjà sur un parcours de 18 trous, la réalité de la chose, c'est que ça ne va pas se passer, tous les trous ne vont pas se passer exactement comme on veut. Ça, c'est déjà la première chose. Et c'est d'avoir la capacité, en étant autonome, de pouvoir se corriger quand les choses vont mal et de pouvoir continuer quand les choses vont bien. C'est finalement ça, la chose qu'on doit coacher. Et donc, je voudrais que tu me dises si toi, parce que moi, c'est cette démarche que j'ai eue quand j'ai commencé à coacher en ligne, et c'est ce qui m'a permis de devenir un meilleur coach, mais toi aussi, est-ce qu'en tant que coach, tu as eu ce mindset, cette philosophie, et comment est-ce que tu permets aux joueurs de finalement devenir autonome? En fait, ce que j'essaie de mettre vraiment en avant, comme je te disais tout à l'heure, c'est les grands principes. C'est-à-dire que, à chaque fois, le principe de mes programmes, c'est, il y a un objectif qui est défini. Par exemple, mise en jeu pour les seniors. T'es senior, tu veux mettre des mises en jeu plus droites, plus longues, etc., avec tes problèmes à toi. C'est-à-dire, tu manques de souplesse, t'es moins stable, t'as moins de pour essayer. Donc, il y a des grands principes. Il y a des grands principes qui vont être mis en avant, d'accord? Comme l'amplitude d'un swing. T'as besoin, pour envoyer la balle loin, si tu montes hauteur de hanche parce que t'as une souplesse, etc., comme un bout de bois, tu auras beau faire ce que tu veux, t'iras pas loin. Donc, il faut trouver un moyen, d'accord, d'augmenter cette amplitude de swing, d'accord? Alors, je vais donner des choses simples comme tourner le menton, comme lever le talon, comme laisser venir le genou, laisser un corps qui va peut-être un peu plus se déporter pour les seniors. Bref. Donc, donner, en fait, toujours essayer de respecter un principe, un minimum d'amplitude, parce que si tu veux aller loin et que tu es comme ça, tu pourras pas aller loin. Donc, il faut trouver des trucs qui sont peut-être moins conventionnels, peut-être qui vont faire des petites fautes, mais qui vont te permettre, 8 fois sur 10, le fameux 20-80, de taper quand même plus loin. Si tu lèves ton talon, tu tournes ton menton, si tu laisses venir ton genou, ta hanche, eh ben, ça va un peu plus haut. Et quand ça revient, ben, ça arrive plus vite. Donc, tu vois l'esprit. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de partir des principes fondamentaux pour arriver au résultat. Taper des meilleures mises en jeu, mieux contacter ses fers, être meilleur au petit jeu, rentrer plus de potes, gérer son mental sur le parcours, avoir une bonne stratégie. J'ai 28 programmes là-dessus. L'esprit, si tu veux, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver au résultat total? Tac, tac, et je liste. Et vas-y, en avant, Guingamp. Je lis, j'ai besoin de ça. Tu pars toujours du résultat en premier. Quel est le résultat que le joueur recherche? Tu veux mettre des missiles au drive, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être stable. Donc, il faut avoir des bonnes bases, il faut être stable. Il faut avoir un bon pivot, il faut savoir utiliser ses poignets, il faut savoir tirer le club, il faut savoir le relâcher, il faut être coordonné, il faut être… Enfin bref, tout. Et là, tu te dis, bon, si je demande de faire ça au mec, donc déjà, je vais en avoir pour 6 mois pour tourner la formation, premièrement. Et deuxièmement, le mec, il va en avoir pour 4 ans pour arriver à faire le truc. Non. Ok, j'ai besoin de ça. Comment est-ce que je peux regrouper par thème ce dont j'ai besoin? Pouf, pouf, je fais des blocs. Pouf, 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 pouf. Déjà, pam, 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 ça me structure. Ensuite, dans ces blocs-là, c'est quoi le 20-80? C'est quoi le 20% des mecs que j'appelle 80% du temps, quoi? C'est quoi les freins que je mets? Ah, bah, tu vois ça, ok, ça, c'est pas mal, mais tu pioches dans ta mémoire de coach, quoi. On a donné des milliers, des dizaines de milliers de cours. Tu dis, putain, ouais, ok, alors lui, il faisait ça souvent. Ouais, mais là, ce qui revient tout le temps, c'est ça. Paf, on va le mettre là en un, bam, 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 bam. Et qu'est-ce que je fais? J'ai lag. C'est-à-dire que, c'est quoi l'expression en anglais? T'es largement meilleur que moi en anglais, je suis jeune.
En gros, en français, ça se traduit moins et mieux, tu vois. Moins, c'est mieux, quoi. En fait, moins tu as de choses à penser, moins tu as de choses à faire, et plus ce sera facile d'atteindre ton résultat. Je ne sais plus quelle est l'expression, mais bref. Et donc, au final, j'essaie de faire en sorte de mettre vraiment ce qu'il y a d'essentiel pour arriver au résultat, et que ça soit applicable plus facilement et en le minimum de temps. Voilà ce que j'essaie de faire quand je suis dans une formation. Tu vois l'esprit? Super, super, ouais, top, top. Alors, il y a pas mal de commentaires là, il y en a plus de 200 commentaires, donc je peux pas malheureusement tous les lire, mais il y a des personnes qui viennent se connecter, qui nous demandent le conducteur finalement de cette intervention en live. Il y a Jean Prunet qui est là, qui dit, messieurs, quel est le fil directeur de votre intervention? Donc une personne qui vient d'arriver. La question aujourd'hui, c'est à travers ce Facebook Live, c'est est-ce que les joueurs amateurs peuvent progresser à travers des cours de golf en ligne. Et l'idée, c'était d'avoir Joël Bernard, qui est le leader dans ce domaine-là, pour justement... Pardon? Francophone. Francophone, leader francophone dans ce domaine-là, pour justement parler de comment les golfeurs, à travers ce confinement, je trouve que c'est intéressant, à travers ce confinement, les gens sont bloqués de chez eux, est-ce qu'on peut réellement progresser de chez soi? Et donc la question que je voudrais te poser maintenant, c'est... Parce que là, on va rentrer un peu plus dans la, dans le, dans l'inform, pas l'information, mais plutôt le contenu qu'il y a dans ces formations. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un golfeur me dise, Lewis, je suis terrien, je suis aérien, qu'est-ce que tu en penses et tout machin. Et là, quand une personne me dit ça, je dis, ah, toi, tu connais Joël Barnard. Pas Parce que forcément tu as, en quelqu'un quelque qui en sorte, parle. Hein. Ouais. oui, non, mais il y a des gens Moi, qui en parlent, mais la réalité de la chose, et là, je le dis pour toi, parce que je sais que toi, tu le diras jamais, tu me l'as jamais dit, mais c'est toi qui as en quelque sorte popularisé aujourd'hui cette façon de voir l'enseignement, la personnalisation. Tu l'as popularisé pour les amateurs, je parle, hein, pour les amateurs aujourd'hui qui connaissent le concept aérien, terrien, etc., etc. Voilà, il y a un moment ou un autre, tu sais très yes. bien que ces personnes sont passées par une de tes vidéos ou une de tes formations. Donc, parle-nous de comment est-ce que tu utilises la personnalisation du swing par rapport aux personnes dans les formations que tu vends, et comment est-ce que tu arrives à le faire à distance et faire progresser une personne? Yes. Alors, l'idée, si tu veux, c'est que pour par où je peux le prendre, je vais essayer comme ça. Je vais commencer comme ça au feeling. L'idée, c'est que tu vois, tu as un élève qui tape des drives, mais il écrase la balle, ok? Il te dit, Lewis, putain, j'ai mes drives, ça va pas, ils partent au ras du sol, je les porte pas, je les coupe, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes comment tu peux améliorer son angle d'attaque. Et là, toi, tu vas lui proposer, par exemple, comment ça s'appelle? D'orienter ses épaules un peu plus à droite et remonter son épaule gauche plus haute que l'épaule droite. Tu vas avoir, j'ai rarement vu ça, je sais pas si tu le connais, j'ai rarement vu ça, lui, il va dire, écoute, tu vas décaler ta balle un peu plus à gauche. Ensuite, tu as Jonathan le pro qui va lui dire, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de pivoter tes épaules un petit peu plus à plat parce que tu baisses un tout petit peu trop ton épaule gauche et ça te fait arriver comme ça. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que un pro, quand il va observer son élève, il va constater une faute dans l'exécution et dans la manière dont le club arrive sur la balle qui aboutit à un résultat qui est une trajectoire qui n'est pas convenable. Chaque pro est capable de dire, bah, il faut qu'il fasse ça. La grosse différence entre chacun d'entre nous, ça va être de proposer la correction qui va améliorer son angle d'attaque. D'accord? Et plus le pro sera bon, plus il sera en mesure de dire, bah, tiens, effectivement, le gars, il fait ça, il arrive par-dessus, il écrase sa balle. Techniquement, plus je mets la balle à gauche, plus j'ai de chances de la prendre après le point bas. Sauf que lui, comme il revient par-dessus, plus tu vas lui foutre sa balle à gauche, oui, l'angle d'attaque sera meilleur, mais putain, son chemin de club et sa direction de swing, elle va être encore plus à gauche, ça va pas aller, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, plus tu vas être un bon enseignant, entre guillemets, pas simplement diagnostiqueur, mais là, on passe dans la phase, tu vois, de correction, plus tu vas être amené à proposer une solution qui va être valide. Tu vois où je veux en venir? Et ensuite, tu as une autre étape qui consiste à dire, eh bien, la façon d'améliorer son angle d'attaque, elle doit aussi, non seulement prendre en compte toute la dynamique générale, mais aussi les préférences du mec. D'accord? Alors, toi, tu connais, tu l'as déjà fait, c'est un truc qu'on fait très souvent dans les préférences naturelles. Quand on parle d'action type, je me suis formé à action type, je me suis formé à Volo d'Haleine, je travaille en étroite collaboration avec Cyril Gindre aujourd'hui, on organise des ateliers présentiels, etc. Et à chaque fois, on fait ça pour faire prendre conscience des préférences, c'est croiser les bras, ceux qui sont là, vous pouvez le faire avec nous, croiser les bras comme ceci.
Là, quand vous regardez, j'ai mon bras droit au-dessus. Toi, Lewis, vas-y, croise. Toi, par exemple, c'est ton bras gauche qui est au-dessus, t'es d'accord? Non, moi c'est mon bras droit. Enfin, tu le vois en effet miroir. Donc, Ah oui, là, c'est d'accord. ça, c'est Reprends-moi mon, tout. là, celui-là, ça, c'est mon bras droit. Ouais. Ok, parfait. Les Et donc, personnes qui regardent cette vidéo, faites-le. Soyez avec nous, interactif, de la voilà, et maison. Vous êtes devant dites-nous votre si vous écran. êtes bras. Vas-y, faites-le. C'est-à-dire que sans réfléchir, vous croisez les bras, ok? Et ensuite, vous vous inversez. D'ailleurs, ce coup-ci, moi, je mets mon bras gauche dessus. Là, c'est pas naturel. Là, c'est pas naturel, ok? Et là, le piège, c'est, je suis Joël Bernard, je suis champion du monde de croisement de bras, 10 années consécutives. Là, il y a un mec qui vient, qui dit, Joël, j'aimerais bien gagner le championnat du monde de croisement de bras, est-ce que tu peux m'aider? Pas de problème. Je lui dis, écoute, mon pote, vas-y, croise tes bras. Et là, le mec, il croise ses bras, tu vois, il met son bras gauche au-dessus. Et moi, je suis champion du monde, je lui dis, écoute, non. Tant que tu mettras ton bras gauche au-dessus, tu ne seras pas champion du monde. Faut que tu mettes ton bras droit, d'accord? Et là, donc tous les matins, tu vas te lever pendant une demi-heure, tu vas mettre ton bras droit au-dessus. Le midi, une demi-heure, tu mets ton bras droit au-dessus et le soir, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Tu vois où je veux en venir? Et le problème, c'est que on fait des choses de manière complètement instinctive. Tu vois, on est droitier ou gaucher. Quand on était petit, personne nous a dit de prendre la fourchette avec la main droite, ou le couteau avec la main gauche, ou vice-versa, ou de prendre une raquette de tennis, ou quand tu vois un ballon, de shooter dedans avec tel ou tel pied. C'est complètement inné. Et des préférences comme ça, on en a plein. J'ai rien inventé du tout. Je me suis formé comme je me suis formé avec pour le swing un plan de plan avec Jim Hardy, Chris O'Connell. Je me suis formé avec des dizaines de mecs. Comme toi, avec Pierre Nilsson, Lynn Bien Marriott, sûr, ouais. si, etc. Parce qu'on adore apprendre, on est des apprenants avant tout. Et donc, je suis allé apprendre les préférences motrices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec Cyril, parce qu'il m'apprend plein, plein de choses, de nouvelles choses, parce que ça évolue tout le temps. Et donc, pour moi, c'était évident. Ça fait depuis 2009, j'ai découvert ça avec Dominique Fournet. C'était évident pour moi. Ça a apporté tout de suite une réponse à toutes les problématiques que j'avais en tant qu'enseignant. En gros, tu donnes un conseil à deux élèves, là, tu vois, t'as ton cours à 10 h, putain, le mec qui ressort de là, il tape comme un dieu, il se dit, on s'inscrit où pour le PGA Tour? Après, t'as Josiane qui arrive, qui levait pas son drive, elle met des sacs, qui pitch à 100 mètres et qui roule à 140 mètres, jamais ça a fait ça dans ta vie. Et là, tu te prends pour Dieu. Et après, t'as Roland qui arrive. Et là, tu lui dis, Roland, t'inquiète, voilà, mets-toi comme ça, machin. Et là, ça marche pas. Il met pas une balle pendant une demi-heure. T'as deux options. Soit tu dis, bon, de toute façon, il est nul, il comprendra jamais. Soit tu dis, ben, je suis passé à côté, je lui ai pas donné les bons conseils. Et moi, j'ai toujours Donc été comme ça. c'est en fait au lieu d'imposer sa méthode de swing ou d'imposer son style de swing qui a été le cas pendant de nombreuses années dans l'ancienne façon d'enseigner, c'est plutôt de s'adapter par rapport à la personne qu'on a. Et oui, je pense pas que l'enseignement soit différent. J'enseigne pas différemment. C'est que je prends, en fait, je prends les choses. Enfin, je rajoute une étape. Tu sais, je parlais de recette. Eh ben, dans ma recette, j'ai rien changé à ma façon d'enseigner, la manière dont je donne un cours, de Oui, quand j'ai bien sûr. Oui, appris en ça, on est 2009. d'accord. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai appris à comprendre mieux les préférences. Tu vois, comme le bras droit, il y a les mains aussi. Quand on croise ses mains, tu le fais dans un sens. Par exemple, vas-y, fais-le. Tac, tu croises tes mains. Quel est le pouce qui est au-dessus? Le pouce. T'as un pouce qui est au-dessus. Droit, Les autres, ceux qui nous droit. écoutent, c'est le pouce droit, ok? Tu vas essayer de refaire la même chose en essayant de mettre ton pouce droit en dessous ce coup-ci. Tu inverses. Qu'est-ce que tu ressens? Bah au début, déjà, les mains ne voulaient pas rentrer normalement. Ouais, ça, c'était la première chose. Et ça me paraît pas naturel. Donc les préférences naturelles, ce n'est ni plus ni moins qu'identifier notre façon naturelle de faire les choses. Quand tu sais ça. T'es au début du processus, t'es juste au début. C'est-à-dire que tu sais maintenant que ce mec-là, je te donne un exemple. J'avais un élève, je crois qu'il écoute, qui est un excellent joueur qui s'appelle Nicolas Singer. Il m'a chambré, il m'a dit, je vais te poser des questions pièges, tu vas voir. Il m'a tout à l'heure. C'est un excellent joueur, franchement. Nicolas, je sais que tu m'écoutes et je te l'ai toujours dit, tu m'as toujours impressionné en tant que joueur. Il a été plusieurs fois champion de France, mid amateur, champion de, enfin bref, plusieurs titres de champion de France. Et Nico, il pourra le témoigner. Et Nico, tiens, je veux bien que tu l'écrives dans le truc. Nico, c'était une jambe d'extension à droite, comme moi. C'est-à-dire qu'il restait tout le temps sur son pied droit. Le mec était moins 3 d'index, il savait jouer. Et pendant 10 ans, je l'ai fait chier. Nico, transfère ton poids, mets-toi à gauche. Il me dit, mais Joe, j'y arrive pas, ton truc, ça me fait chier, j'y arrive pas. Je lui dis, mais Nico, tu regardes tout, regarde. Et puis je montrais des photos. Regarde lui, machin, si tu veux bien jouer au golf. Eh bien, il faut que tu te mettes à gauche. T'as pas d'autre choix. Sauf que Nico, il est descendu à moins 3, peut-être même moins 4 à une époque. Et il est connu dans la France entière. Il joue magnifiquement bien encore en tapant sur le pied droit. Mais quand j'ai compris que c'était sa jambe droite, je lui dis, bon, Nico, reste à droite. Il me dit, tu te fous de ma gueule, ça fait 10 ans que tu m'emmerdes à la gauche. Et ben ouais. Et donc, du coup, si tu veux, Lewis, j'ai eu une phase, justement, 2009, 2010, 2011, qui était compliquée. Parce que pendant des années, j'avais une certaine vision du swing. Et cette vision, elle n'a pas explosé parce que bien sûr qu'il y a des gens qui doivent être à gauche. Je ne vais pas dire non, tout le monde est à droite. Mais une fois que j'ai
appris à identifier les préférences des gens, je faisais beaucoup plus attention à leur donner des consignes qui étaient à leur portée et pas un truc qui était genre, eh ben, tu vas falloir que tu mettes ton bras droit pendant une demi-heure tous les matins, tous les midis, tous les soirs, tu vois. C'est complètement con. Sauf que On m'a posé une question je sais pas pourquoi je repense à cette question, mais il y a un an sur Facebook, en message privé, on m'a envoyé un message pour me dire, Lewis, à quel moment est-ce que je sais que j'ai un bon coach sous la main? Et ma première idée. moi j'ai mon opinion là-dessus. C'est quoi ton opinion là-dessus, toi? Bah, déjà, mon opinion, c'est que si L'autonomie, tu vois les tu vois. mêmes. On Si parlait tu de vois les mêmes. l'autonomie. Hein? Hein, on parlait de l'autonomie déjà. Rendre son L'autonomie, école. hein, ça c'est l'autonomie, ça c'est la première chose, mais. Surtout, ça me fait penser à cette phrase de Mohamed Ali qui disait, si tu vois la même façon de voir les choses à 50 ans qu'à 20 ans, t'as perdu 30 ans de ta vie. Donc en fait, Il y a 20 ans, tu avais déjà tout compris, mais c'est rare. c'est très très rare. Mais c'est de dire que pour moi, le pro, donc le pro du club, le coach, peu importe, comme l'amateur, doit continuellement se former et apprendre des choses pour devenir. C'est une formation en continu, en fait, l'enseignement, la pédagogie. Et donc, pour moi, déjà, un bon pédagogue, un bon coach, c'est une personne qui est continuellement en train d'essayer de s'améliorer pour pouvoir ensuite apporter la meilleure pédagogie, le meilleur coaching possible à ses élèves. C'est pour ça que nous, on s'est rencontrés. Joël, voilà, moi, je ne le cache pas aujourd'hui. La raison que j'ai rencontré Joël, c'est parce que je cherchais un coach pour m'aider à moi mieux communiquer à travers mes programmes que je vendais en ligne, et je voulais faire appel au meilleur qui pour moi était Joël. Et quand j'ai rencontré Joël, Joël me dit, mais attends, tu sais, ouais, Lewis, moi aussi je me forme auprès des meilleurs. Je suis allé voir les meilleurs coachs dans leur matière, dans la personnalisation de swing, dans Action Type, dans ce que tu fais avec Cyril Gindre, avec tu as fait aussi la formation avec Mac Adams sur dynamique biodynamic swing que j'ai fait aussi. Donc déjà, et donc je parle de ça parce que quand tu dis que tu as ta transition entre 2009, 2010 et 2011, et quand tu rencontres un amateur que tu as depuis 10 ans, et que tout d'un coup tu lui dis, bah écoute, viens, on essaye ça, et que le mec il te dit, attends, oh, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça la dernière fois, et là tu dis, ouais, mais tu sais quoi, Non, peut-être c'est pas qu'il la y a eu, dernière fois, il y a peut-être. des médecins qui me cassent les couilles. Alors, quelques commentaires. Et alors, je veux juste clarifier une chose aussi parce que j'ai repéré un commentaire et je voulais clarifier quelque chose parce que c'est très important. Il y a un moment, on a parlé de pas mal de choses. Il y a un commentaire de la part de Thierry Maton qui dit tout à fait d'accord, messieurs, mais le pro du club est à même de faire progresser le joueur sur le Mais bien parcours sûr, et donc de Thierry. s'adapter à ses besoins réels. Et on n'est pas là pour dire le Mais contraire, bien sûr, tu vois, enfin. Thierry. Mais bien sûr. Regarde, je suis passionné de tennis. Je suis un malade de tennis. Ma femme me dit t'es complètement morte, t'as 47 balais, mais je m'en fous, j'adore le tennis. J'ai des formations en ligne et j'ai pris un coach. J'ai pris un coach, et pas n'importe lequel. Son fils, c'est le père de Jonathan Eccerich, qui était champion du monde junior. Donc je me suis pas pris un coach de Mickey, tu vois. Mais j'ai un coach. Mais évidemment, mais. Ça ne remplace pas le fait que j'ai aussi quatre formations en ligne sur le tennis, sur la tactique, sur la technique, comment bien réaliser un swing, puisque j'ai besoin de comprendre la gestuelle. Moi, je suis un thinking. Donc, mais évidemment que les coachs de club, ils sont loin d'être au chômage, t'inquiète pas. Et ils ont leur place, évidemment, hein, Thierry. Et Ça, tu es je crois. passé, et tu es passé, tu vois, tu l'étais. C'est pour ça que je voulais parler de ton parcours avant sur Bondu, parce que tu Voilà. étais. Et c'est pas, c'est l'un est mieux ou l'autre est moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Je me Bien considère sûr. pas plus compétent maintenant parce que je suis sur le web, hein. Non, mais. Tu vois? Non, bien sûr, je suis complètement en phase. Et puis, ce qui est important à dire, c'est que, en fait, c'est pas cette démarche-là que moi je voulais. C'est pas le message que je voulais faire passer, c'est que de dire qu'aujourd'hui, on peut progresser au golf à la fois avec son coach en direct, donc en présentiel, et à la fois un bon coaching en ligne, quand le coaching est fait pour moi. Hein, ça, c'est ma vision des Oui, choses. Encore une mais c'est fois, même on va pas. pas, mais quand c'est fait correctement. Mais dis-moi si tu es d'accord avec moi, c'est même pas une transition qu'on est en train de faire. Ça existe depuis la nuit des temps, les gars. Les bouquins, les cassettes, les DVD, mais on transmettait de l'information via ces médias. Et aujourd'hui, il y a un média qui est différent, qui est nouveau, enfin qui est nouveau, qui va bientôt avoir 30 piges, hein, mais qui est le web. Et c'est juste un média. Des bouquins, on apprendra toujours dans les bouquins et des profs à l'école, il en faudra. On va aller de plus en plus vers le e-learning, notamment avec des périodes comme en ce moment avec le coronavirus. Tous les profs se mettent à faire des visios. Tout, regarde, il y a des lives, il y a des machins, il y a des trucs. Et les gens, c'est parce qu'il y a un contexte particulier que les gens s'y mettent. Mais au final, ça existe depuis Bah, longtemps. c'est qu'en fait, le confinement a accentué, a amplifié cette démarche en ligne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, même à un moment, des coachs de golf que moi j'ai connus
qui ont critiqué en disant ouais, le coaching en ligne, ça, qui aujourd'hui font des C'est trucs en live parce qu'ils sont obligés. Parce qu'aujourd'hui, le golf, il est fermé. Et puis, la seule façon où tu peux aider ton amateur aujourd'hui, c'est de trouver un moyen de l'aider à distance. Donc, tu un vois, mec, il y a un mec qui s'appelle Idriss Aberkane, que j'admire, et qui dit, toute révolution traverse trois phases. La première phase, c'est que c'est ridicule. Tu vois, la Terre est ronde. Non, mais c'est ridicule. La Terre est ronde. Non, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, la deuxième phase, c'est que ceux qui croient ça, faites attention, c'est dangereux. D'accord? C'est super dangereux. Faites gaffe. Et puis, la troisième phase, c'est évident. D'accord? Aujourd'hui, on commence à arriver. On entre dans la phase 2, la phase 3. Tu vois? Voilà. Top, je pensais que t'allais continuer. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Parce que alors, voyons voir s'il y a des questions. Alors déjà, il y a pas mal de personnes qui sont là, Joël, qui sont dans ton programme de 19h, là, qui te disent à tout à l'heure à 19h. Donc, il y a Bien vraiment sûr, pas les mal de gars. personnes qui sont là, qui te disent à Je te tout à fais le l'heure. sandwich, les gars. Bah ouais. Tous les grands coachs, ils ont un coach pour échanger. Donc ça c'est voilà, ça c'est important de préciser. Voilà, ça c'était ma vision tout à l'heure de dire que les coachs ont un coach. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est aujourd'hui il y a cette vision des fois des amateurs qui viennent te voir en te disant non mais attends, toi t'as un coach? Enfin tu vois, enfin c'est bah ouais, enfin tu vois, enfin si on n'est pas là, on pense pas avoir la science infuse et devoir la réponse exacte. On est continuellement. Je suis en train de lire les commentaires. C'est comme dans tous les domaines, il y a des. C'est ton Donc ça taf, c'est. Louis, c'est ton taf. J'essaie de voir s'il y a des questions parce qu'honnêtement, je crois qu'on n'a jamais autant de questions. Il y a plus de 300 questions dans le live. Beaucoup de C'est qu'on personnes viennent de. n'est pas clair. S'il y a des questions, c'est qu'on n'est pas clair. C'est pas bon, ça. Non, 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 non. Tu vois, il y a une personne qui dit Thomas Simoneau, à tout à l'heure, Joël, et encore mille merci. Donc, tac, pas tout. Je te ferai le chèque à la sortie, hein, t'inquiète. Alors, il y a Laurent Poncelet qui dit toujours un plaisir d'échanger avec Joël. Donc, top Laurent, qui est un super Pareil, pro Laurent, français, à qui partagé. on passe le bonjour, ouais, carrément, qui est toujours là. Et je fais la. Super. Et merci à toi parce que tu m'as fait découvrir Speeder Golf que je voyais de loin, etc. Je fais la certification jeudi. Je veux absolument utiliser cet outil qui est génial. Et les Spider amis, Golf. Spider Spider, Golf. pardon. Ah, tu vois, c'est l'avantage que tu as sur moi. Tu vois. Spider Golf. Spider Golf. Je me suis pas encore mis à l'international parce qu'en anglais, il est pas top. Mais bon, tu vas peut-être m'aider. Voilà. Donc merci Laurent pour Spider Golf. Je fais la certification jeudi. Je vais tout savoir. Alors, d'ailleurs, je l'ai fait aussi au passage. C'est Ah, vrai c'est que c'est vrai? intéressant. Ouais, mais Cédric, c'est un mec top. Cédric Celui qui Denis, ose qui est un Français. enseigner, ne doit jamais cesser d'apprendre. Tu la connais celle-là? Elle est sortie en commentaire. Donc, tu vois, je me disais peut-être que tu avais lu un commentaire. Elle est sortie en commentaire. Donc, vraiment très, très fort. Mais ouais, Cédric Denis qui fait pareil, qui fait partie de ces coachs français, qui a créé une application. Génial. Qui est aujourd'hui international, qui est dans toutes les PGA, enfin européennes et même aux États-Unis. Respect. Donc, ouais, c'est un Français. Une question là, parce que ça, je trouve ça intéressant, pareil, encore une fois, parce que la thématique aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut progresser à travers les cours en ligne? Et on a une question de Laurent Pargade qui dit, pas trop dur de profiler les Si, joueurs sans sûr les Laurent. voir. Bien sûr Laurent. Et il a raison. Laurent est formé, il travaille avec Ralph Hippolyte, etc. Donc il est formé et il sait à quel point le profilage est compliqué. Donc je vais pas mentir ou dire quoi que ce soit. Le point faible, c'est le profilage. Mais tu seras d'accord avec moi Laurent ou pas, tu le diras dans les commentaires, c'est que même nous, par moment, on a des difficultés à profiler la personne. D'une part parce qu'elle peut être dans son ombre, c'est-à-dire qu'elle peut être fatiguée, malade, stressée, etc. Et d'autre part que une préférence, c'est comme tout dans la vie, c'est plus ou moins marqué, d'accord? Et que vous avez des gens qui sont ambidextres, vous avez des gens qui arrivent à peindre avec les deux mains en même temps, avec les deux pieds en même temps. Bref, c'est-à-dire que c'est pas noir ou blanc quoi, dans tout et pas que dans le profilage. Le profilage, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui permet d'identifier une préférence. Ce sont des tests, d'accord? Et pour certaines personnes dans certaines préférences, c'est ultra évident. Je veux dire, faut vraiment avoir 3 grammes dans le sang pour pas voir qu'il est ceci ou cela. Et puis pour d'autres, des fois avec Cyril, on organise des ateliers. Et avec Cyril, il me dit, bon, écoute, on verra. Et moi, je lui dis, putain, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, et machin. Et il y a des gens, c'est compliqué. Donc, t'imagines bien que la personne qui se teste toute seule, etc., c'est compliqué. Qu'est-ce que je donne comme, comment ça s'appelle? Comme alternative, d'accord? Rien n'est parfait dans la vie, d'accord? Rien n'est parfait. Donc, ce que je dis, c'est que la première chose à écouter, c'est vos sensations. Ton corps, il n'est pas débile. Hein. Tu sens. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais Joël, moi, je sens rien. Tu sens rien. Parce que t'écoutes pas ton corps. Ton corps, il te dit tout. Il y en a,
ils sont malades à en crever parce qu'ils fument trop, parce qu'ils boivent trop. Mais leur corps, il leur dit tous les jours, ils se lèvent en, tous les jours, ils se lèvent en toussant. Tous les jours, ils ont mal partout, leur corps, machin truc, et ils continuent à boire, ils continuent à fumer, à se défoncer. Mais leur corps, il leur dit tous les jours. Nous, quand on joue au golf, notre corps, il nous dit si c'est bon ou c'est pas bon. Moi, je me suis bloqué 3 fois le dos alors que j'avais 19 ans. J'étais en sport-études, 17 ans. J'étais en sport-études au Crèves de Toulouse, qui était le pôle France à l'époque. Et ben, je me suis bloqué 3 fois le dos parce que c'était l'air Ledbetter. Et l'air Ledbetter, mon pote, c'est les jambes, ça bouge pas. Hein. C'est le haut qui tourne, le bas, c'est stable. Ouais, sauf que moi, je suis associé et que si je bouge pas d'un bloc, mon corps, il me le disait tous les jours. Il me dit Joe, ça va pas là. Ce que tu es en train de faire, c'est dur. Donc, la première étape, c'est écouter son corps. Donc, le corps, il te donne une réponse. Est-ce que c'est confortable ou pas? Est-ce que c'est facile à faire ou pas? Est-ce que ça me demande de l'énergie ou pas? Et ça, avant, je l'écoutais pas trop. Je disais à mes élèves, t'inquiète, non, c'est normal, quand tu changes un truc, il faut un temps d'adaptation. Donc, je lui disais, bah, écoute, tu vas mettre. Ça, c'est le fameux discours, il y a le temps d'adaptation. Ouais. Tu vas mettre ton bras tous les matins pendant une demi-heure, tous les midis, tous les soirs. Voilà ce que je disais. Parce que je savais pas. Quand tu ignores quelque chose, tu dis juste ce que tu sais, quoi. Et ça revient toujours à, tu sais, ça revient toujours pour moi à l'élément principal, et c'est un peu le cœur de ce live aussi, c'est l'autonomie. On en revient à devenir autonome, et l'autonome, ça passe par la prise de conscience. Et se faire confiance et s'écouter, quoi. Prise de conscience et se faire confiance, et d'avoir la capacité sur le parcours de pas. La première chose que les amateurs se disent quand ils sont sur le parcours et ils font un mauvais shot, c'est je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, au lieu d'être. Peut-être à l'écoute de ces sensations, qu'est-ce que j'ai ressenti, à quoi j'ai pensé, enfin tu vois, est-ce que j'ai pensé à quelque chose ou pas, enfin tu vois. Donc il y a toujours une série de questions que je donne à mes amateurs quand ils sont sur le parcours et ils font un bon et un mauvais coup, et leur dire écoute, avant d'être dans le doute, etc., juste pose-toi cette série de questions qui vont te permettre de devenir plus autonome et d'avoir une meilleure prise de conscience. Plus tu auras une meilleure prise de conscience, plus tu deviendras autonome, plus tu seras autonome, plus tu deviendras un meilleur joueur de golf. C'est la réalité de la chose aujourd'hui, c'est la façon où je vois. Alors, je voudrais te poser une autre question. Je veux rebondir parce que c'est important. Ouais. Et je te laisse poser la question après. Je veux rebondir là-dessus, c'est tellement important. Tu résumes en gros ce qui s'est posé. Parce que les réponses, on les a pas, nous. On a beau essayer de savoir le maximum, la seule personne qui a les réponses, c'est le coaché. Nous, c'est notre capacité à poser la bonne question. C'est ça. Pour que le mec réfléchisse dans le bon sens. Exemple, la question qu'on se pose tous, de manière assez intuitive, d'accord? C'est le pourquoi. Vous savez, quand on est, mais pourquoi je slice? Mais pourquoi j'ai fait double à cet endroit-là? Mais pourquoi à chaque fois j'explose? Pourquoi ceci? Mais tant que tu poses une question dans le pourquoi, notre cerveau va aller chercher quoi? Une excuse. Le négatif. Quand tu poses pourquoi, il va chercher, ah ouais, mais c'est pas, ouais, mais là j'étais pas bien, là j'étais fatigué, là l'autre il a bougé. Non. C'est comment? La question qui se pose. Complètement. Joël, tellement en phase, ouais. Parce que le comment amène les solutions, le comment amène des nouvelles idées, le pourquoi amène l'excuse, le négatif, j'ai fait un slice parce que t'es mauvais, pourquoi tu perds pas de poids, parce que t'es, tu vois, enfin t'es mauvais, enfin tu vois, ça amène pas la réponse, ou en tout cas ça amène la mauvaise réponse. Les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Et ça, c'est pour ça que je te parlais. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai appelé mon truc mon coach de golf. Aujourd'hui, après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en branle. Mais les mecs, ils disent que je suis coach de golf. OK, et coach de golf, très bien. Mais ils confondent professeur de golf et coach de golf. Un professeur, c'est un technicien. Il va t'expliquer comment mieux frapper ta balle. Un coach de golf, il va t'apprendre à devenir un meilleur golfeur. Et c'est toute la nuance. Simplement, on se dit professeur, moniteur, coach de golf. À un moment, j'ai fait, pour aider les coachs, tu te souviens, tu as connu cette pendant un moment, j'ai voulu, et j'ai dit... Les moniteurs, les professeurs, les coachs. Combien de fois j'ai eu dans les commentaires? Ben, c'est pareil, hein. N'importe quoi, t'es complètement con, hein. C'est pareil, hein. Ben, non, mon pote. Non, c'est pas pareil. C'est toi qui es complètement con. C'est toi qui n'as pas compris la nuance. Ouais, non, mais oui, coach de golf. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je me présente ou quand c'est toujours. Coach tout court. Voilà. Il faut savoir poser les questions. Et c'est ce que t'as dit. C'est exactement ce que t'as dit. Non, ouais, le coach permet à l'élève de mieux. Ou en tout cas, de trouver les réponses. Finalement, c'est ça notre job, c'est d'aider aux joueurs à les aider à trouver la réponse, mais pas leur imposer notre réponse. Yes, parce que notre réponse, elle va. Il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit à côté, notre réponse, parce qu'elle est en fonction de notre vécu, notre histoire, notre perception. Donc, c'est notre réponse à nous par rapport à une situation, mais ce n'est pas la réponse du mec.
C'est sa réponse qui compte, pas la nôtre. Donc finalement, un bon coach, déjà, ça passe par ça aussi. Tu vois, on parlait tout à l'heure à travers ce live, on est aussi en train d'approfondir la définition, pour nous, hein, c'est notre vision personnelle de voir les choses, mais la définition d'un bon coach. Voilà, et puis tu as vu que depuis le live, à chaque fois, j'utilise le terme, tu as remarqué que j'utilise le terme coach, c'est pas pour rien, parce que je suis du même avis que toi, qu'il y a une différence entre enseigner et coacher. C'est pour moi deux choses différentes. Et d'ailleurs, quand je parle de coacher, je parle de permettre à un joueur de devenir un meilleur joueur de golf et pas un meilleur joueur de swing. Parce que tu vois, ça c'est parce que j'ai vu qu'il y a une vraie différence entre les amateurs qui jouaient correctement sur le practice et qui ensuite allaient jouer sur le parcours et qui réalisaient qu'en fait c'était deux choses complètement différentes de jouer au golf. Et donc du coup, c'est vrai que cette définition du coach me plaît bien. Alors, avant de te poser justement cette dernière question, il y a pas mal de commentaires que je voudrais lire, donc des personnes qui disent... Alors, si tu veux évoluer, ça revient tout à l'heure, Patrick Deschamps qui dit, si tu veux évoluer, il faut te former. J'aime quand les coachs s'entraident. Le Nord te manque pas trop, Joël. Un Donc, tu peu, as... bah si. Bon, t'as ramené un peu du Nord avec toi quand même, hein. T'as ta femme. De Malo les mains, les gars, Dunkerque, fier de l'être. Julien Bourret. Je suis pas parti bredouille. Julien Bourret, qui est un copain enseignant, qui est un très très bon gars aussi, qui dit top, je suis enseignant et j'avais acheté sa formation LSSR. Donc tu vois, même un enseignant Ah avait bah dis acheté donc. ta formation. Bah Julien, dis-moi si t'as aimé, tu vois, ça m'intéresse. T'es pas le seul Et il dit, enseignant qui l'a prise beaucoup. ouais, t'imagines, c'est énorme. Donc un enseignant qui a acheté ta formation au début et sans regret, bravo à vous deux. Donc tu vois, donc il a apprécié Bravo parce que. la formation. Une autre personne qui dit Cool. Joël est super ouvert, je l'ai contacté il y a 2 semaines sur le mental et on a vraiment échangé, on a avancé ensemble. Ah, c'est. Benoît Heinz. Benoît Benoît, bon, Heinz. on va faire une formation ensemble. Benoît, tu parles, il est en équipe de France d'escalade, c'est un athlète de Ah haut ouais. niveau, et il a une salle d'escalade à Clermont. Benoît, super mec. Alain Milanaise qui dit à 75 ans, Joël m'a appris énormément depuis le début du confinement. Serge T'envoies qui le chèque. dit. Serge qui dit bravo messieurs. Une personne qui dit Mimic, parce que ça tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait beaucoup de commentaires, donc Mimic dit beaucoup de commentaires car Joël est une star du web, il fait péter Non, l'audimat. Alors oui, ça c'est intéressant aussi, un amateur qui dit Patrick Jarras qui dit Joël nous fait essayer différentes solutions pour notre putting, notre swing, mais c'est à nous de ressentir les choses. Et justement, la raison pour laquelle on fait essayer plusieurs choses, c'est de voir celle qui vous convient le mieux en tant parce que que moi, je ne sais joueur. pas ce qui vous convient. J'ai une idée, mais je ne sais pas. C'est vous qui savez. Alors Eric Faisan, et ça c'est un commentaire par rapport à ton anglais de tout à l'heure qui dit prends un coach d'anglais, donc Joël, Et absolument, Eric, c'est toi qui as raison. Un point, 1-0 pour toi. Alors, je confirme, c'est la seule limite, je dis, ok. Pour ceux qui doutent, rejoignez le home coaching. Bon, ça c'est vraiment pour... Il y a une personne qui dit Patrick Deschamps, que tu connais peut-être, non? Pour ceux Qu'est-ce qui que je vais doutent, avoir comme rejoignez. chèque à faire Ouais, avec? c'est... Il va falloir que tout à l'heure, tu les remercies dans la séance de 19h. Je vais pas te Merci. garder trop longtemps d'ailleurs, parce qu'il va falloir que tu te prépares. Il est 18h15, donc on Je suis va... prêt mentalement, tu peux pas T'es imaginer. déjà prêt? T'es déjà Et prêt? quand tu as 870 et quelques qui sont là, qui t'attendent, il faut être prêt. Hein. Mais ils sont chouettes. Bon, enfin bref. Ah ouais, ça c'est énorme cette communauté quand même. Et tu sais, ce que je trouve aussi intéressant, et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais aujourd'hui on évolue dans un monde où on a accès à des centaines de personnes qu'on peut aider en une vidéo de 20 minutes. Tu sais, quand on fait du coaching sur un parcours ou sur un practice, on a accès à une, à quatre personnes, huit personnes si on fait un stage, peu importe. Mais ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est de pouvoir profiter de cette technologie pour pouvoir toucher en fait des personnes qu'on n'aurait pu jamais toucher avant. Donc en fait, nous, en tant qu'enseignants, ce qui nous fait kiffer, c'est le fait de pouvoir aider les autres. Et quand on reçoit des messages, c'est les meilleurs moments quand on reçoit des témoignages, des messages de la part de Bien sûr. personnes qui nous disent comment on a pu les aider. Et le fait, en fait, c'est ce qui m'a amené en fait à faire du en ligne, parce que moi, il y a deux choses qui m'ont amené à faire du en ligne. C'est la première, c'était cette notion que je pouvais aider des personnes que j'ai jamais rencontré, des personnes qui habitent à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, à travers une vidéo qui pourrait l'aider. Et la deuxième chose, c'était je voulais avoir accès à des personnes, je voulais pouvoir me rapprocher de personnes où je pouvais échanger un message. Donc, tu vois, à travers, par exemple, ce Facebook Live où là, à travers 1 heure ensemble, j'ai appris quelque chose, même si on se connaît super bien, toi et moi, Joël. Tu apprends toujours quelque chose à chaque fois que tu fais. Ouais, en Eh discutant, oui. tu apprends toujours des trucs, quoi, tu vois. Ça fait 4 Attends. semaines, 5 semaines de confinement. Ouais, 5 semaines de confinement. J'ai fait plus de 15 lives avec des joueurs du circuit européen. Et à chaque live,
Tu Tu vois, m'étonnes. tu apprends quelque chose. Donc ces collaborations sont juste fantastiques et nous permettent à nous de progresser et de permettre à aider les autres. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est que tu vois, tu peux faire ce que tu fais et ce que vous faites avec le journal du gauche, ou il y en a d'autres qui font plein de choses super bien. C'est tout simplement d'avoir une discussion. Et une discussion, c'est comme tu dis, c'est tellement inspirant. Et ce qui est génial avec le web, c'est que voilà, tout le monde peut l'écouter, soit en live comme tous ceux qui sont là. Et je vous remercie de votre attention d'ailleurs. Et tous ceux qui vont pouvoir le voir en replay. Donc c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. Je t'ai plus là, Lewis. T'as appuyé sur un bouton ou c'est moi? Je t'entends plus. Allô, allô? C'est peut-être moi, hein, qui a un bug. Pas. Là, Vas-y. tu m'entends là, non? Là, je t'entends. T'as Ok, c'est peut-être en plus. fait, j'ai plus de batterie sur mon micro, tu vois. Donc c'est vraiment qu'on a dépassé. Bien, tu m'as Ouais, confié, tu me je l'envoies? Tu me l'envoies? t'ai Alors, il y a une personne qui dit, je suis à Malo-les-Bains-Soleil, ciel bleu. J'ai passé mon enfance à adolescence à Malo-les-Bains. Donc tu vois, t'as des personnes Et là, tu dédicaces, vois. hein. Là, c'est de la dédicace, hein. Joël, tu parles avec le cœur et Joël, tu parles avec le cœur, à la main et émotion. Merci. Donc, tu vois des personnes qui sont là, voilà, qui apprécient le message et ton intervention Magnifique. aujourd'hui. Alors, petite, ouais, je voulais te poser une question parce que c'est ma femme. Tu sais que nos femmes sont derrière tout homme, il y a des femmes fantastiques. Et ma femme qui m'envoie un message pour me dire, demande à Joël. Comment est-ce que du coup on choisit un bon coach? En sachant qu'elle est mariée à un coach, mais elle voulait quand même savoir comment choisir son coach, un bon coach alors. Comment est-ce qu'un amateur aujourd'hui qui nous regarde, quelles sont les choses que tu donnes? Tu connais ce cache des inconnus, tu sais, le bon et le mauvais chasseur, tu vois. Pareil, tu vois. Alors, un bon coach, la première, comme je te disais, la première qualité d'un bon coach, c'est l'empathie. C'est-à-dire que tu peux pas être un bon coach si tu n'essaies pas de comprendre le monde et la perception de la personne que tu cherches à aider. D'accord? Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on est coach, on prend limite plus de plaisir à voir une personne évoluer. En fait, ouais, c'est presque du transfert d'accomplissement. Vous voyez ce que je veux dire quand on est coach? Donc, il faut avoir un côté empathique développé. Parce que ton plaisir, tu le prends au travers du développement de la personne. Ce que tu disais, Loïs, putain, mais moi, quand je reçois un message, le mec, il a suivi mon programme, en 3 semaines, il a perdu 5 points. C'est juste magnifique. Ben ouais, c'est magnifique. Parce que c'est pas toi qui as perdu 5 points, c'est lui. Et donc, quelque part, tu transfères la réussite à travers une personne. En sachant que tu as qu'une petite influence, qui pour lui est souvent d'ailleurs énorme, et c'est ça qu'on aime. Mais au final, le taf, c'est lui qui l'a fait. Nous, on a fait 15% du taf. Mais ça peut tellement modifier les choses quand tu lui dis, écoute, grand, au lieu de te demander pourquoi tu fais ça, ou pourquoi tu fais toujours cette connerie. Comment tu pourrais arrêter de faire cette connerie? Rien que dire ça, mais le mec, ça peut lui changer sa vie du jour au lendemain. Bref. Donc la première chose pour moi, c'est l'empathie. La deuxième chose, c'est... Ah, putain, il faut une bonne dose, mais une... Et ça, le golf, ça nous l'apprend, hein. Il faut une bonne dose d'humilité. C'est-à-dire que plus tu apprends, et plus tu t'aperçois que tu sais que dalle. Plus t'en sais. Au début, putain, quand j'étais jeune, je me prenais pour, je disais, mais attends, le better, je vais exploser, moi, je vais machin. Mais parce que t'es con, parce que dès que tu sais trois trucs, tu dis, ça y est, putain, mon gars, j'ai tout compris. Et plus t'apprends, et plus t'apprends, et plus t'apprends, et plus tu t'aperçois que quand t'ouvres la porte, putain, il y en a trois autres encore à ouvrir et que ça se démultiplie. Bien sûr. Donc, il faut une putain de dose de, si tu veux, d'humilité. Et ça, c'est pas super compliqué non plus, c'est accepter que c'est pas toi qui as les réponses, en fait. C'est juste essayer d'amener le mec à se poser, ou la nana, à se poser les bonnes questions. Donc, c'est le questionnement. Et pour poser les bonnes questions, il faut essayer de s'intéresser, justement, c'est ce que je te disais, il faut essayer de s'intéresser à qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, et qu'est-ce qu'elle a besoin, et qu'est-ce qui la rendra heureuse. C'est pour ça qu'un bon coach, il doit commencer par essayer de comprendre les objectifs, les valeurs d'une personne. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Par principe, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais si on ne sait pas ce qui est important pour la personne, on va la guider vers où? Vers ce qui est important pour nous.
Mais on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même vécu, les mêmes douleurs. Et entre parenthèses, tiens, ben ça m'amène sur un autre truc, c'est que tu es vraiment bon, tu deviens vraiment bon là où tu as souffert, là où ça a été dur. Quand tu en as chié, eh ben, tu es passé par le truc, tu t'es battu, tu as machin, tu as réussi à t'en sortir. Et quand enfin tu as réussi et que tu vois d'autres personnes dans cette situation, si t'es pas empathique, t'en as rien à branler, l'autre il est enfoncé là-bas, machin, tu le laisses. Mais si tu le vois faire son truc, que toi aussi t'as fait ou pas, ou de loin ou de près, mais tu dis, mais non, grand, putain, regarde, mais toi fais comme ça, vas-y, recule ton T'as vécu les mêmes douleurs, les mêmes frustrations, et tu comprends, t'as de l'empathie pour ce joueur-là. Tu dis, putain, moi j'étais là, sauf que j'ai mis des mois à m'en sortir, j'ai failli abandonner le golf, ce qui est vrai. J'ai progressé comme une fusée jusqu'à 5 et après, plus rien. Et là tu dis, putain, mais je suis une buse, je pensais que j'étais champion du monde. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est. Au départ, tu j'ai tout compris, ça y est, mon gars, alors là, mon gars, je vais tous les exploser, machin. Et puis, tu arrives sur un truc, sur un palier, machin, tu sais plus. Et là, tu passes du grenier à la cave et tu dis, putain, je vois rien, je vais arrêter, j'ai failli me mettre au basket et arrêter le golf, quoi. Et donc, quand tu es passé par là, tu sais que, putain, tu peux. Le mec qui est en train de galérer, là, il est parti pour 6 mois ou 1 an. Tu peux, comme tu disais, en une vidéo, en un conseil, en un stage. En Thierry Maton, un stage à la Bretèche, tu peux sortir le mec, paf, de son impasse. Donc, un bon coach pour moi, voilà, c'est comprendre la personne. Et c'est pour ça que quand je te disais, pour moi, les préférences naturelles, c'est le corps, c'est comprendre le corps. Mais c'est une partie, il faut aussi comprendre les motivations. Moi, quand un gamin me disait, je veux être champion de France, il n'y a pas un mercredi à l'école de golf, quand il commençait à faire le con avec les copains, parce que quand t'as 12 ans ou 13 ans, t'as juste envie de faire le con. Moi, j'ai 47 ans, j'ai envie de faire le con tout le temps. Donc, je vais pas dire à un mec de 12, 13 ans, il arrête de faire le con. Non. Je lui disais juste, championnat de France, Alex, c'est quand le championnat de France déjà? Putain, il remettait la tête dans le guidon direct. J'avais besoin de dire, ah bon, t'arrêtes de discuter, tu vas te mettre sur le banc. Non. Les championnats de France, c'est que, et il comprenait tout de suite. Et il se remettait, et voilà. Donc, quand tu connais la personne et ce qui la motive et ce qu'elle veut, c'est quand même plus simple de coacher, tu vois. Donc, pour moi, c'est quand même, voilà. Après, il y a d'autres choses, mais dans le 20-80, je pense qu'on est pas mal. Ouais, là on est pas mal du tout. Ouais. Est-ce que je vais lire quelques commentaires? N'hésite pas si toi tu as des questions aussi. Hein. Si tu as des questions, tac, super échange, merci messieurs. Danny Trolls qui dit super échange, merci messieurs. En tout cas, ça donne envie d'y retourner. Donc retourner sur le parcours, j'imagine. Christian Sauvage qui dit bravo. Tac, la blague la plus courte au golf, j'ai compris. Il y avait un bouquin comme ça, je dédie ce livre à ceux qui ont découvert le secret du golf 10 fois et qui l'ont perdu 11. Si ça te parle pas. Joël, ça fait plus de 1h20 qu'on est en direct. C'est le plus long live que j'ai effectué depuis le début de ce confinement et c'est celui qui est passé le plus vite. Parce que tu sais que toi et moi, c'est marrant parce que je me souviens d'une conversation qu'on avait eue l'été dernier où je t'ai fait faire une séance de sport et tu m'avais sorti l'excuse je t'avais fait une séance de sport où je te faisais aller sur les mains et sur les pieds, je te faisais courir sur les mains, sur le sable. Et tu m'as dit non, 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 mais Lewis, moi je suis aérien, donc c'est pour ça que j'y arrive pas et tout. J'ai dit arrête tes conneries là. Je t'ai dit bah tu sais quoi, t'es aérien, bah vas-y, bah viens, on va nager. On était parti dans la mer. Donc je me rappelle de ces conversations qu'on avait eues et je m'étais dit, putain, un jour il faut qu'on enregistre ces conversations parce qu'à chaque fois c'est du bonheur de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir parler de sujets qui sont vraiment intéressants pour l'audience qui nous regarde sur comment choisir un bon coach, c'est quoi la définition d'un bon coach selon nous, hein, on est en train de partager notre point de vue, on n'a pas la science infuse, on n'a pas, voilà, on n'a pas la vérité universelle, mais je trouve que c'est intéressant avec l'expérience qu'on a acquise. À travers ces années, de pouvoir donner justement son point de vue sur bah, qu'est-ce que c'est un bon coach et pourquoi est-ce que le golf en ligne ça marche, comment ça marche, tu vois, comment ça marche, comment ça peut marcher pour vous, etc. Donc, merci encore d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Je relis Eagle qui dit Thanks Lewis, thanks Joël. Donc, tu vois, bon, en anglais, donc merci en fait, c'est Joël, ça veut dire merci. C'est OK. Ah, merci. Heureusement que tu es là, tu vois, je te dis. Tac, l'homme, tac. Ok, super. Donc, tout le monde qui nous remercie pour le live. Moi, Joël, c'était un plaisir énorme de t'avoir avec moi. C'est toujours, comme je te l'ai dit, un bon moment. Et ton parcours est aussi inspirant en tant que coach qu'entrepreneur parce que tu as été sur les devants de la scène sur ce qui était possible
en ligne et c'est une des raisons qui m'a donné envie de moi de me lancer aussi. Donc moi je voudrais te lancer un merci personnel et faire savoir aux gens à quel point tu as été impactant non seulement pour les amateurs mais également pour le monde professionnel. Donc merci à toi et puis j'espère qu'on aura l'occasion de repartir un live ben, prochainement, on sait pas, avec toutes les Quand tu personnes qu'on peux, a eues là. avec plaisir, mon Lewis, tu sais bien. Prépare-toi pour ta séance de 19h, je vois que c'est dans une demi-heure, donc je te laisse te préparer. Journal du Golf qui est là, qui dit merci à tous pour votre fidélité. Les lives continuent et évidemment qu'ils continuent demain, mercredi 11h. D'ailleurs, c'est moi 11h, j'avais, tu vois, c'est à 11h moi demain matin. Il va falloir que je prenne un break à un moment. Ah oui, Mais on se retrouve demain à partir de 11h, 11h, 14h, 17h. C'est les lives que vous propose sur le journal du golf. Un grand merci à vous pour avoir regardé votre fidélité, tous les commentaires, les likes, etc. Et je vous dis à très très vite. Joël, je te laisse le mot de la fin, comme à chaque fois pour les invités. Je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, merci beaucoup Lewis, merci beaucoup le Journal du Golf, c'était un plaisir, moi je t'apprécie beaucoup évidemment, et je pense que tout le monde a gagné à partager. Il y a encore une phrase qui n'est pas de moi, et la grande majorité des choses que je dis ce soir ne sont pas de moi ou cet après-midi, c'est que quand tu vois, si tu me donnes 1000 balles, et ben moi je les ai, et toi tu les as plus, tu vois. Alors que quand on partage une connaissance, et bien non seulement tu la gardes, mais tu la donnes à l'autre. Et donc je pense que tu vois, quand on a cette comment dire, ce qu'on appelle le mindset, tu vois, je parle un peu anglais, hein, t'as remarqué. Mindset. Eh bien, quand on a ça, toutes les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est partager ce que vous savez avec ceux qui ont envie de vous écouter, parce que tout le monde n'aura pas envie de vous écouter. Et voilà. Donc, si j'ai le message que j'ai envie de passer, c'est ça. Voilà. Comme mot de la Top, fin. top. Reste avec moi, Joël, juste Et sur même Skype. Ouais. pas De Ouais, quoi? non. T'as dit quoi? Non, je dis, là, il m'a pas préparé, c'est dit comme ça. Reste avec moi, Joël, sur le Skype. Et puis, nous, on va terminer ce live. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont regardé. On se retrouve demain sur la page du Journal du Golf. Je ne peux pas te les lire tous, Joël, tu les regarderas après, mais il y a au moins une cinquantaine de personnes qui disent merci. Donc, un grand, grand merci à toutes les personnes qui ont regardé. Vraiment, un énorme merci. Et puis, à très, très vite.